On va démarrer cette journée. Vous m'entendez? Très bien, impeccable. Excusez-nous pour ce petit contretemps technique, hein, mais a priori tout fonctionne maintenant. Voilà, avant d'entamer cette belle journée ensemble, je souhaite vous remercier tous pour votre participation. Je pense qu'avec l'équipe, quand nous avions lancé cette idée, on s'attendait à avoir un taux de participation important, mais peut-être pas aussi nombreux que vous l'êtes aujourd'hui. Et vraiment, nous vous remercions, ça montre l'intérêt que vous portez à la thématique développée aujourd'hui, mais également à notre travail, puisque l'année prochaine, nous fêterons nos 30 ans au sein de l'ESAT. Donc comme quoi la mission dure et perdure et durera encore. Voilà, je voulais, une fois que je vous ai tous remerciés, je ne vais pas nominer les personnes bien sûr, je voulais particulièrement remercier les municipalités de Privas, Véras et Chaumérac, ainsi que le centre hospitalier de Sainte-Marie, et puis le centre d'information, l'IFPS, sans lesquels nous n'aurions pas le matériel aujourd'hui, et donc nous ne pourrions pas vous accueillir dans de telles conditions. Et puis, je souhaite simplement finir et remercier l'entreprise Precia, qui nous a proposé de collaborer, bien sûr, dans le cadre de tout le travail, mais aussi sur la création d'une petite vidéo que vous aurez l'occasion de découvrir cet après-midi dans l'atelier qui se trouve en face. Voilà, j'essaie d'être brève, puisque notre gestionnaire du temps me fera des clins d'œil s'il faut s'arrêter. Je laisse tout de suite la place à Florence, qui va lancer cette journée. Donc, Madame Blancard, la responsable des ressources humaines. Bonjour. Oui, parce que moi, j'ai besoin de poser les choses pour vous parler. Je suis moins à l'aise que Céline dans l'exercice. Donc, je voulais juste vous remercier, moi aussi. Donc, vous allez vraisemblablement être plusieurs fois remerciés, mais c'est sincère. Merci d'être là. Merci d'être venus aussi nombreux pour participer à cette journée de conférences, réflexions, échanges autour de la thématique des troubles psychiques et du travail, qui est organisée donc par l'ESAT de Saint-Joseph et qui est donc notre hôte. Donc c'est à moi que revient l'honneur de vous accueillir et de présenter cette journée au nom de l'établissement, la direction de l'établissement Sainte-Marie Privas. Puisque Madame Frey n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais elle tient à vous faire part par mon intermédiaire néanmoins donc de l'importance qu'elle accorde à la thématique du jour. Et donc je vais en quelques mots, rassurez-vous, je vais être rapide puisque moi aussi je subis les foudres du regard du gardien du temps, vous expliquer pourquoi et aussi comment. Il n'y a vraiment pas de hasard dans le fait que nous allons débattre ici et aujourd'hui de la place des malades atteints de troubles psychiques dans le monde du travail et du rôle fondamental que jouent les ESAT, et plus particulièrement celui-ci, dans cette problématique. Alors pour ce faire, je voudrais faire un petit peu d'histoire. Alors rassurez-vous, on ne va pas remonter au calendrier grec, quoique, et on ne va pas y passer non plus la matinée, mais il me semble que c'est quand même important de faire un petit voyage dans le temps et de repartir au tout début de notre histoire, enfin je parle de Sainte-Marie, hein, de l'histoire de Sainte-Marie, parce que, bien entendu, donc cette démarche, cette journée, et le fait que l'ESAT organisateur soit un établissement de Sainte-Marie n'a rien à voir avec le hasard. C'est même tout le contraire de quelque chose d'anodin. Parce que, effectivement, interrogeons-nous quelques secondes, enfin replongeons-nous, reprojetons-nous, transposons-nous pendant quelques secondes sur l'origine de notre institution et sur la vision qu'avait, dans le contexte de l'époque, le fondateur. Donc, il y a près de 200 ans, pas tout à fait, à quelques unités près, mais quasiment 200 ans, un petit aumônier de campagne s'est ému, s'est révolté sur le sort de ses semblables qui avaient la malchance d'être frappés par la maladie mentale et que ce simple fait, la différence que ça a entraîné, excluait fondamentalement du monde des vivants, plus généralement, hein, du monde des vivants. Cet effet-là l'a révolté, il a décidé qu'avec ses petits bras musclés, il allait changer ça, et aujourd'hui, nous sommes là. Alors bon, c'est quand même un petit peu raccourci rapide, je vous l'accorde, schématique, je vous l'accorde aussi, mais il est incontestablement, c'est incontestable en tous les cas, que depuis 200 ans, enfin pratiquement, et au travers des trois siècles sur lesquels porte cette période-là,
le monde du travail s'est transformé d'une façon extrêmement importante. Ces trois siècles, ces 200 ans d'histoire, sont celles qui sont les plus marquantes en matière d'évolution du marché du travail. Et donc forcément, notre institution, dans ce cadre-là, a une action importante et n'a cessé d'œuvrer pour faire en sorte que la maladie mentale au sens large n'ait pas pour effet d'exclure du travail ceux qui en étaient atteints, enfin tout au moins pas de façon radicale et pas de façon définitive. Et parce qu'effectivement le travail aujourd'hui, alors l'exclusion du travail, ce n'est pas l'exclusion du monde des vivants, mais quand même le travail c'est le monde des vivants, c'est la société d'inclusion, c'est ce que sociétalement le point d'entrée par lequel on qualifie la normalité. Alors bien évidemment, l'association a fait un peu de chemin en 200 ans, et ce que nous proposons aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec ce que le fondateur avait imaginé. Pour autant, cette quête, elle reste notre ADN, c'est notre mission, voire même notre identité. Et j'en veux prouver pour preuve les valeurs de l'association, qui ont été rénovées récemment, mais même rénovées, elles ne parlent que de ça. Compétence, autonomie, bienveillance, respect et innovation. Ce qui me concerne, c'est QFD. Et c'est donc de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Et plus généralement, c'est bien de cela dont il s'agit aussi lorsque l'association, avec son conseil d'administration, porte clairement, explicitement, officiellement, le fait qu'un axe politique majeur de son action, c'est le développement vers le secteur médico-social. Et ce, en prolongation. Vraiment en prolongation plus qu'en parallèle de l'activité sanitaire qui est l'activité originelle de l'association. Donc les ZAD de Saint-Joseph, il existe depuis 1988, donc on vous l'a dit, presque 30 ans, ça sera une grande fête l'année prochaine. Et donc ces presque 30 ans d'histoire en ont fait un établissement de référence, clairement, parce qu'il a cultivé une vraie expertise, et on va le voir aussi tout au long de la journée, puis on s'en rend compte, hein, il suffit d'ouvrir les yeux, en matière de travail adapté et d'accompagnement par le travail des personnes dont la santé mentale aurait eu pour effet, si les ZAD n'étaient pas là, les ESAT, mais celui-ci aussi, de les éloigner, c'est dur à dire. Hein. Et d'autre part, c'est un établissement vitrine, mais au sens noble du terme. Et alors, je vais vous donner quelques illustrations qui, pour moi, actent cette démonstration. D'abord, cet ESAT-là, notre ESAT Saint-Joseph, c'est le seul ESAT du département qui intervient dans le secteur agricole. Alors, le secteur agricole, c'est pourtant un secteur d'activité où les conditions, en fait, d'exercice du travail pourraient conduire à exclure les personnes handicapées ou malades de troubles psychiques. Pourtant, nous, ici, on investit ce champ-là et on propose aux travailleurs handicapés qui travaillent ici d'intervenir sur ce champ. Le deuxième élément vitrine de cette ESAT, c'est la politique de gestion qui est complètement assumée en plus et qui, moi, me semble extrêmement pragmatique, très innovante et aussi très sociale. Puisqu'en fait, elle se base sur le constat que l'ESAT, c'est bien évidemment un établissement du secteur médico-social financé par la collectivité via l'ARS. Mais que parce que ces financements se raréfient, ça ne permet plus, enfin, cette nature d'établissement financé par la collectivité, ne permet plus d'accomplir la mission dans des conditions qualitatives. Alors, je nuance, dans les conditions qualitatives que nous espérons. Et comme elle place donc les ZAD, en se disant, du coup, l'argent public ne suffit plus, elle place les ZAD comme acteurs de sa propre mission en faisant en sorte que les travailleurs contribuent par le chiffre d'affaires qu'ils développent directement à l'amélioration de leurs conditions de travail. Moi, ça me semble clairement le fondement de l'activité de l'ESAT. Faire en sorte que le travailleur soit lui-même le constructeur, le co-constructeur de ses conditions de travail. Le troisième aspect vitrine, c'est que cet ESAT est un ESAT extrêmement innovant. Alors, il est innovant pour les activités économiques qu'il propose, hein, puisque ce n'est pas péjoratif du tout ce que je vais dire, mais outre les activités, les missions traditionnelles qu'on propose aux travailleurs handicapés en ESAT, que sont le conditionnement ou la sous-traitance industrielle, on propose aussi quelque chose qui est extrêmement particulier, qui est l'abattage. Et non seulement on le propose, mais on est leader sur le micro, alors micro, peut-être que c'est aussi un petit peu trop excessif, sur le marché local en tous les cas, sur la niche économique de l'Ardèche, nous sommes leaders sur cette activité et nous sommes un ESAT. Moi, excusez-moi, mais ça me scie. Donc je trouve ça extrêmement innovant.
Mais ce n'est pas la seule chose qui est innovante aussi dans cette ESAT. Les modèles d'accompagnement médico-sociaux qui sont mis en place sont aussi, extrêmement qualitatifs et très nouveaux. Alors, j'en veux pour preuve que pas plus tard que la semaine prochaine, le 22 juin, cette ESAT, l'ESAT Saint-Joseph, recevra le prix régional de l'innovation médico-sociale. Et ce prix, récompense un projet qui a déjà été labellisé au niveau national. Et déjà, ça, c'était fort. Parce qu'il y avait 200 projets qui ont été adressés au ministère comme étant des projets présentant une innovation en matière d'accompagnement médico-social. Sur les 200 présentés au ministère, il en a labellisé 24, dont le nôtre. Et le nôtre, en plus, il a un premier prix régional là-dessus. Et ce label, en fait, il porte sur la manière dont le droit des usagers est mis en... Enfin, en tous les cas, est respecté, en tous les cas, mis en scène dans le cadre des structures médico-sociales. Et donc, nous, on a proposé un projet qui est... Alors, là, on a ce qui est très innovant, puisqu'il s'agit en fait de faire une vidéo du règlement de l'ESAT, de façon à le rendre intelligible et plus facile à investir par les travailleurs qui sont les premiers concernés, bien évidemment, par ce règlement. Et donc, nous, on l'a fait en vidéo, et ce sont les TH qui se mettent en scène pour les TH. Et effectivement, la région a salué cela. Alors, vous avez peut-être un peu compris que moi, je me sens super fière d'appartenir à l'institution qui va faire ça. Et donc, outre la fierté légitime que cela suscite, pour moi, c'est aussi très, très important parce que ça acte de façon probante, explicite, évidente, parce que c'est externe, ce qu'on fait, on le fait bien. Et ça pose deux choses fondamentales que ne renierait pas l'abbé Chiron. Alors, l'abbé Chiron, pour ceux qui ne sont pas de Sainte-Marie, c'est notre papa, c'est le père fondateur de l'institution. Et donc, l'abbé Chiron, donc, cette reconnaissance pose deux choses qu'il ne renierait pas. Tout d'abord, que ce que l'on fait, enfin, que la mission d'inclure par le travail les personnes porteuses de handicap ou de troubles psychiques, ça a de la valeur. Ça a de la valeur pour deux choses. D'abord, parce que c'est utile et aussi parce qu'on le fait bien. Alors, pour nos patients, pour leurs familles, mais aussi pour nos financeurs et plus largement pour la collectivité et la société civile à laquelle nous appartenons, c'est à la fois une garantie et une satisfaction. Nous pouvons affirmer sans mentir que ce que nous faisons fonctionne, ça marche et ça remplit une mission fondamentale qui est celle de ne pas exclure. Alors, peut-être que je suis un peu bisounours, mais moi j'ai la faiblesse de croire que le niveau de développement d'une civilisation se mesure notamment avec ça. Nous, une société qui est capable de s'organiser pour faire en sorte que d'inclure ceux qui, sans cette organisation, resteraient sur le bord du chemin, c'est une société développée. Et je pense qu'effectivement, ce que nous faisons ici est un signe tangible du développement de notre société. Le second élément qui ravirait l'abbé Chiron, c'est le contre-pied assumé que nous prenons aussi en matière de posture par rapport aux troubles psychiques et aux handicaps. On ne raisonne pas en se positionnant sur ce que la maladie empêche ou minore. On ne dit pas « Monsieur Truc ou Madame Machin, parce qu'elle est handicapée ou parce qu'elle est atteinte de troubles psychiques, elle ne peut pas faire ci ou elle ne peut pas faire ça. » Nous, on regarde la personne, on regarde ce qu'elle peut faire avec réussite, ce sur quoi ça va marcher, ce qu'elle est en capacité de réaliser. On raisonne sur la base des possibles. On se dit « Dans cette situation, où effectivement la personne est atteinte de telle ou telle chose, ou est-ce qu'elle est ?» Qu'est-ce qui est possible pour elle? Qu'est-ce qu'elle peut investir avec succès et qu'est-ce qu'elle peut faire? On interroge... En fait, l'idée, c'est d'explorer la carte du monde de chacun, de voir ce qui, dans la globalité et la singularité de cette personne, où est la limite et surtout, comment on fait pour la dépasser. Donc, on s'interroge tous les jours sur cette réalité, sur cette carte du monde. On l'analyse, on l'investit et l'objectif, c'est de faire en sorte d'aller plus loin. Ou tout au moins de garantir qu'on reste là où on est. On considère chaque individu comme une personne à titre principal. Alors bien sûr, si elle est handicapée ou si elle est atteinte d'un trouble psychique, c'est un peu quelque chose de structurant comme caractéristique, c'est évident. Mais c'est relatif. L'important, c'est que c'est une personne. Alors ça a l'air de rien, ce changement de lunettes, de paradigme, ça a l'air de rien, c'est vrai. Mais en fait, ça change tout. Et moi, je veux y voir le fondement de la valeur ajoutée du boulot qu'on fait ici. Et vous avez vu qu'on fait plutôt un joli boulot. Et j'y vois même l'essence de ce qu'est la mission de Sainte-Marie. Voilà. Alors j'espère que ce que vous allez voir aujourd'hui va vous convaincre que c'est la bonne vision. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.
bonjour à tous. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous devant autant de monde pour vous parler durant une heure du travail et du handicap. Et je suis fier de le faire dans cette date en ayant écouté précédemment les différentes éléments historiques et innovants, parce que nous allons parler d'innovation et du handicap. En fait, mon travail, c'est d'être conférencier professionnel pour une partie, mais je le fais au titre de psychosociologue et aussi de dirigeant d'entreprise dans l'industrie numérique. En résumé, je m'occupe du handicap dans tous ses états. Et c'est ça qui me passionne. C'est le handicap dans tous ses états. Mais durant cette heure qui m'est impartie, je vais développer deux grandes parties et puis une prospective pour l'avenir des dates. Dans la première partie, je vous parlerai du travail et de sa fonctionnalité dans notre monde, qui n'est pas aussi évident à prendre conscience, et même si on a beau dire qu'il est important. Oui, mais je vous montrerai que c'est véritablement un travail pour chacun d'entre nous. Je vous parlerai évidemment dans une deuxième partie du handicap et de ma vision du handicap, de mon approche du handicap assez originale. J'essayerai de faire la réunification des deux, travail et handicap, pour envisager l'avenir de notre société. Premièrement, le travail. Alors là aussi, il y a des origines judéo-chrétienne, il y en a ici où nous sommes, Sainte Marie, on ne peut pas les renier, d'ailleurs, elles ont des racines profondes, même si les valeurs se transforment, elles sont là, mais cette notion judéo-chrétienne du travail a apporté un point négatif. Malheureusement, quand nous pensons travail, nous pensons souffrance. Parce que l'origine du travail, c'est tripalium, quand même. C'est souffrance. Et puis, je ne vais pas vous faire un tour de théologie, mais on pourrait remonter à la Genèse où l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Yeah. Et vous voyez que c'est cet élément important perdure
toujours actuellement, à la fois dans notre société, mais aussi dans chacune de vos têtes. Et on est le 7 juin. Bientôt, les vacances. On a eu un mois de mai truffé de ponts, où on a fait des bonds du Cabri. Ouf, ça fait du bien, hein? Et si un jour, on gagnait au loto, hein? Je ne vais pas vous interroger pour savoir qui a son petit billet toutes les semaines ou le prend au PM du coin. Mais aussi des numéros et d'année le gros lot. Ah, bon, c'est vrai, c'est un boulot passionnant, mais quand même. Si je pouvais gagner des millions, je pourrais voyager, me reposer, et on ne dit pas s'emmerder. Par aujourd'hui, en fin de compte, certains de nous retenaient que le travail a du bon. Et vous voyez, dans mon analyse de la société, en tant que psychosociologue et porteur d'un handicap, dans un pays où le taux de chômage est encore à 10%, deux fois supérieure pour les personnes handicapées, on parle de vivre ensemble. Alors, on fait des cours des formations à la diversité, à l'ouverture à la différence. Et j'en ai fait pour j'ai formé des managers du CAC 40 à la diversité. On pourra faire tout ce qu'on veut. Ceci dit, le principal élément, même l'élément fondamental du vivre ensemble, quel est-il? Le travail. Le travail permet de réunir des personnes différentes avec qui on doit communiquer, certes plus ou moins bien, avec des conflits, des besoins de management, mais si personne avec qui nous vivons la plupart de notre temps, nous ne les avons pas choisis. À moins d'être recruteur, où là, on peut se dire, mais qui peut imaginer ce qui arrivera par la suite dans un CDI, par exemple, un accident ou une déclaration de maladie mentale ou handicap psychique. Nous ne le savons pas au départ quand nous embauchons quelqu'un. Donc, vous voyez, le travail est vraiment
pour moi le principe de la vie en société. Le ciment des relations humaines. Les utopistes qui croient en une société de loisirs, de loisirité, mais vont à leur perte. Parce que quand on a tout, maintenant on a tout, la différence de l'autre qu'en face nous va pas. Ben non, il n'est pas comme nous. Et il peut rien nous apporter, d'ailleurs, parce qu'on a tout. Donc, il y a tout moi qui tombe. Mais dans le travail, j'ai besoin de l'autre pour aller dans le produit ou le service que je vends. Je suis travailleur indépendant handicapé, TIH. Indépendant. Ça me fait bien rire. Les indépendants. Peut-être des témoignages d'indépendants sont les moins indépendants qui soient. On devrait plutôt dire les interdépendants. Par contre, les travailleurs indépendants, comme on l'appelle, dépendent de ses clients. Il a beau être indépendant, s'il n'a pas de clients, il est un peu mal. Hein? Et il dépend aussi de ses fournisseurs, physiques ou virtuels. Je dis virtuel maintenant par obsédé. Le numérique, et je vous en parlerai après, permet de réaliser des choses formidables. Mais c'est virtuel. Mais ça aide grandement les indépendants. Ce qui complique la situation du travail, et ça qui est important à saisir, c'est depuis une soixantaine d'années à peu près. L'après-guerre. Oui, même 70 maintenant, aux États-Unis, où je ne vais pas détailler, c'est passionnant, c'est les thèses de Pierre-Yves Gomez, qui est un professeur émérite de l'EM, qui parle du travail et de la financiarisation du travail. Après-guerre aux États-Unis, ils ont voulu mettre en commun tout l'argent pour les retraites, en créant des stocks au CIEM. Mais au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que cette redistribution n'était pas aussi facile que cela à faire, avec la multiplication des besoins
Et petit à petit, je ne vais pas vous détailler, mais le travail, notre travail, est devenu une machine, un engrenage à rentabiliser les stop-motions et à approvisionner les comptes pour notre retraite. Parce qu'il y a de plus en plus de seniors et les retraites, il faudra les payer. D'ailleurs, vous voyez que cette thématique est de plus en plus sur la table et régulièrement et fait bien souvent, occasionne bien souvent des conflits violents dans notre société. Voilà le constat. Qui fait que le travail, vivre ensemble, c'est un beau mot, mais fait que c'est un peu moins vrai. Enfin, l'apparence. Mais l'apparence n'a jamais remis en cause le fondement de cette chose. Le travail reste l'élément fondamental du vivre ensemble. Maintenant, le handicap. Quelle est votre première interrogation quand vous voyez une personne handicapée? L'interrogation la plus universelle. S'il n'y a pas de réponse, c'est comme un module de e-learning. S'il n'y a pas de réponse, on ne peut pas passer à l'étape suivante. Le truc reste bloqué là. Donc, vous faites comme vous voulez, mais... Alors, quelle est la première ce qui nous vient spontanément à l'esprit, même quand on est concerné par le handicap? Oui, la question, formulez-moi une question. Voilà, et ça c'est unanime. Enfin, apparemment non. Mais... mais si c'est unanime dans vos têtes, ah, un peu psychologue odieux parce que il y a des vieux fantasmes sur le psychologue. Ah, ah, c'était un petit lit dans les cerveaux. Ah, voilà. Ceci dit, cette question, c'est la première qui nous vient. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a eu? Maintenant, c'est la base de départ de toute mon approche du handicap. Si
nous nous interrogeons sur ce qui s'est passé en voyant une personne handicapée, c'est que nous savons très bien que c'est pas normal. Que la situation n'est pas normale. Il y a eu un bug dans le système. Ça a merdouillé quelque part. Vous n'avez pas honte de vous marrer sur quelque chose de dramatique? Bon, je te promets à le faire et ça va beaucoup mieux. Non. Ce que je vais vous dire là, je suis le seul à pouvoir vous l'affirmer. Si une personne valide disait ce que je vais vous dire, elle aurait immédiatement un procès en discrimination. Et moi, je me disais, je le dis depuis des années. Et jamais ma personne ne m'a rien dit. Quand j'ai vu ma gueule, ils doivent se dire il y a des raisons. Bon. Le handicap est une erreur de la nature. Le handicap est une erreur de la nature. Attention, j'ai pas dit que la personne handicapée était une erreur. Et ça, c'est un stéréotype qu'on ne dit jamais, mais que beaucoup d'entrepreneurs, les dirigeants pensent que la personne handicapée est une erreur de la nature. Donc, maintenant, nous allons étudier les différentes conséquences que ça a dans notre vie. Déjà, en partant de ce premier stéréotype, et ça va me permettre de vous parler rapidement, mais vous la connaissez, de cette loi du 11 février 2005. À partir du moment où les dirigeants d'une entreprise pensent que la personne handicapée est une erreur, ils vont jamais vous le dire, mais ils le pensent. C'est justement pour ça que je suis reparti du premier fondement d'interrogation dont vous êtes pris et de vous le démontrer. Un dirigeant d'entreprise doit être performant, rentable, permettre à son entreprise de se développer, de croître, à ses salariés d'être heureux. Et le code du travail est déjà tellement volumineux que la crainte, l'angoisse même du dirigeant d'entreprise, c'est l'erreur. Parce que il sait qu'il va être responsable. Donc, toute
son développement, sa gestion, son management, c'est d'éviter l'erreur. Et avec cette loi du handicap, ben, c'est qu'on lui dit, vous devez, si votre société a plus de 20 salariés, intégrer 6%. 6% de quoi? Alors certes, de la masse salariale, mais c'est pas ça. 6% d'erreur. Non mais vous êtes tarés. Et oh, attendez. Tout me pousse à éviter les erreurs. Et vous me demandez d'en intégrer 6%. Non mais faut pas être... Je suis pas handicapé, moi. Donc, vous voyez, la mentalité... sociale, la culture de génération en génération. Et je vous le démontre. On est dans par rapport au handicap, nous sommes dans des messages antinomiques, dans des deals, dans des dialogiques. Il y a deux logiques qui s'affrontent. Alors, comment faire? On pourrait en rester là, et puis d'ailleurs, il y en a qui, si on est dire vraiment, se disent, ah ben, supprimons la loi du handicap, ça ira mieux en entreprise. C'est sûr, ça retire une marge d'erreur. Hein. Mais comme on est confronté à un taux de chômage deux fois supérieur à la moyenne, sans loi du handicap, on serait bien barré. Donc on est face à un dilemme. Mais je reviens à l'erreur pour vous parler de vous, de chacun d'entre vous, et pour aborder ensuite les possibilités que nous avons individuellement et collectivement pour faire évoluer les mentalités. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je fais une erreur, ça m'arrive, peut-être pas vous, mais moi ça m'arrive. Je me dis pas, yes, je me suis planté, mais là, bien planté, hein, à la mort de dessus nous, vous voyez. Ah! Non, je ne me réjouis pas. Je me dis, bon. On est mal barré. Qu'est-ce qu'on fait là? Oh là 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 là. Alors là, nous avons trois attitudes possible. Première aptitude, le déni. Si vous voulez réussir à comprendre ce qu'est le déni, vous regardez la vie politique. C'est génial. On a tout compris du truc. C'est pas moi. C'est lui. Ou c'est on. On s'est planté. Ah ben, comme on s'est planté.
va faire une loi pour éviter qu'on te plante encore. Et bien souvent, celui qui fait la loi, c'est celui qui est bien embourbé. Hein. Bon. Pour un peu psychosociologue, c'est un délice d'analyser ça, c'est super. Bon, alors le déni que vous avez bien saisi, et puis de l'autre côté, c'est... Ah merde, oh non, je ne pourrais rien dans la vie. Ah, c'est trop lourd. Mon erreur est trop lourde. J'arriverai jamais à m'en sortir. On est foutu. Et la troisième attitude est la troisième... la plus équilibrée au milieu, c'est... Ben oui. J'ai fait une erreur ou j'ai subi une erreur. C'est pareil. Les conséquences sont les mêmes. Et le travail à faire est le même. On va assumer l'erreur. On va essayer de la réparer. Et vous voyez, dans cette attitude face à l'erreur, l'erreur devient à ce moment-là moteur d'amélioration, élément de progrès. Donc, pour regarder votre propre attitude par rapport au handicap, et c'est ça qui est très important, essayons de regarder nos propres attitudes par rapport à nos propres erreurs. Suis dans le déni, dans la démoralisation ou dans la prise en compte. Il n'y a pas une attitude qui nous est propre. Elle fluctue en fonction de nos erreurs. Ceci dit, nous avons une structure de personnalité qui tend vers plus ou moins ces trois attitudes. Me concernant, vous comprenez bien que j'ai essayé et que je le fais, c'est la troisième. L'équilibre. Bon, ça me va bien, moi. L'équilibre. Moi, de me casser la lunette à chaque pas. D'ailleurs, je suis le premier à me demander comment je tiens en train de debout. En fait, l'équilibre, il n'est pas stable, il n'est pas figé. L'équilibre vient en marchant. Bon, j'évite d'utiliser normalement cette expression en marche. Mais quelquefois, vous voyez, ça m'arrive, ça
non pas pour que je ne suis pas d'accord, mais ça peut prêter à confusion et certes, mon action s'occuper du handicap, c'est profondément politique, c'est un acte politique, mais pas partisan. Mais bon, on m'a piqué ce mot. En bas. Que voulez-vous faire? Donc je l'utilise encore. Voilà. Par notre attitude par rapport à l'erreur, nous dit, nous révèle l'intégration des personnes handicapées et le travail qu'il y a encore à faire. 2007, une crise financière des subprimes aux États-Unis qui a déteint sur tout le monde, et à mon avis, c'est pas la dernière. Ceci dit, l'économie européenne américaine s'est remise d'aplomb, plus rapidement. Nous, ça frétille. Nous, vous savez, le français, on aime bien toujours un peu frétiller, et puis ça s'arrête. Bon, voilà, c'est français, ça. Mais on pourrait faire autrement. Comment? Ben, si désolé, j'ai pas une admiration pour les États-Unis, mais je reconnais toutefois que par rapport à l'erreur dans leur industrie, ça marche. Parce que ça arrive un peu en France, c'est l'amélioration continue dans l'industrie américaine. Ben, c'est ça qui leur a permis de rebondir. Dès qu'il y a une erreur, allez, on améliore rapidement. On doit chercher tout de suite en français. Attends, je vais analyser, on va remettre, on va... Ah non, ça ne marche pas. Attends, il faut appeler le patron pour... Et puis le truc qui continue à déconner, voilà. Mais c'est exactement pareil avec le handicap. Donc, dans les 10 minutes, 9 minutes qui me restent, mais je suis désolé, moi, quand j'étais au bac, et lors de mes études, quand je passais des examens, j'avais toujours droit au tiers temps en plus. Oh, non, je vais rester dans mes 9 minutes. Si vous arrêtez de rire. Non, ça fait du bien. Bon. Mais vous voyez, pour terminer, je veux vous parler d'une notion qui se développe de plus en plus, mais qui est mal connue en France. Et c'est l'avenir pour autant. Et on a méchamment intérêt à l'intégrer
dans nos vies. Si je vous parle, et vous avez parlé, madame, d'innovation, je rajoute un petit mot après. Innovation frugale. Est-ce que quelqu'un connaît ce que c'est, l'innovation frugale? L'innovation frugale est un truc formidable développé par un chercheur indien qui vit aux États-Unis, dans la Silicon Valley, qui est Navid Raju. Et aussi en Inde, c'est là où le concept est né et se répand surtout dans les pays en voie de développement. Mais la France, qui en devient un, devrait l'intégrer aussi. Et en Inde, il y a par exemple un Indien qui a inventé un nouveau type de réfrigérateur, très perfectionné. Il a pris un cube de terre glaise, il l'a creusé, et ça fait un réfrigérateur. Et l'industrie, et ça marche du feu de Dieu. Rien. Recherche et développement, zéro. Nous faisons, ils font des ampoules à eau. Ah là, vous avez vu, certains. Une bouteille d'un litre remplie d'eau avec un antiseptique dedans, un déterdant pour éviter que les mousses arrive, on met ça dans le toit d'une maison où c'est de la tôle, qui sont très peu éclairés. Le soleil vient dans la bouteille, rayonne grâce à l'eau et éclaire toute la maison. Et représente une ampoule de 60 watts. Alors, qu'attendons-nous? Moi, rien. Rien, et je suis conforté là-dedans, parce que depuis 44 ans, à la fois ma famille et moi-même et ma volonté pour améliorer ma vie, c'était l'innovation frugale. Je me suis inventé des aides techniques. Par-dessus de le handicap, c'est une contrainte. Et la meilleure innovation possible, l'innovation durable, part de la contrainte. Ne part pas d'une idée fantaisiste pour s'amuser, pour se divertir, pour les loisirs. Alors, certes, on peut se dire « Wow, c'est génial! Wow !» Mais bon,
on va l'utiliser 1, 2, 3 mois. Ça s'appelle la mode. C'est à la mode. On va pas dire ça de l'innovation frugale. C'est pas à la mode. Si nous avons besoin et nous devons nous réjouir. Nous réjouir par acheter 2 minutes. Par acheter notre contexte économique et social pour un ESAT qui a deux financements, la RS publique et un autre financement aléatoire qui s'appelle chiffre d'affaires. Nous devons en développer un plutôt que d'autres. C'est 10 minutes. Là, c'est le chef d'entreprise. Et trouver de la récurrence. Et donc, la contrainte financière, sociale, qui nous est donnée, même quelque soit le nouveau mandat politique. Il y a des contraintes, hein. Donc, si à nous, à créer, à innover, à développer, à partir des contraintes. Moi, si j'aime beaucoup le numérique, j'ai voulu associer handicap et numérique. Parce que c'est le numérique, le réseau humain que je dirige avec des associés, c'est de dire que le monde complexe qu'est le handicap, les 3/4 des tâches inhérentes au handicap peut avoir de la récurrence et être automatisé par le numérique. Mais qui y pense? Personne. Il faut être confronté à des problématiques handicap pour s'associer avec des gros entreprises informatiques. J'ai pas envie de développer dans mon coin des grosses, dire « Eh oh, là, aidez-moi à développer ça et je vous assure que 12 millions de personnes handicapées et 24 millions concernés par le handicap, on va l'utiliser et c'est votre business, mais c'est notre, c'est le mien aussi. Donc j'ai dit au moins, ah oui, c'est une bonne idée, ben oui, je vous l'ai dit. Et je vous invite pour terminer à réfléchir là où vous êtes, dans votre situation, à une contrainte, handicap ou pas. C'est ça qui est génial, c'est que la contrainte, certains de nous y sommes confrontés. Et essayez de réfléchir à une contrainte que vous voudriez soulager. Et comment faire? Et c'est peut-être l'innovation durable du futur, à laquelle je vous demande de travailler.
merci Jean-Baptiste pour cet exposé plein de vie. On va essayer de garder l'équilibre. Je vous propose de faire une petite pause, les quelques minutes qui nous restent, là, les 10 minutes, et puis de nous rejoindre dans la salle. Donc il y a de quoi boire à l'extérieur. Et puis vous nous rejoignez à 10h40. Merci. Alors, je vais reprendre juste quelques minutes la parole, simplement pour introduire les propos de M. Hervéillé. Je vous propose de visualiser une petite vidéo qui fait partie d'un triptyque, en fait, sur la dépression, la schizophrénie et la bipolarité. Vidéo que vous verrez un peu humoristique, mais qui permettra d'introduire les propos de M. Hervéillé. Voilà, merci. Il paraîtrait qu'il y a un bipolaire au bureau. Oui, mais en même temps, c'est pas vraiment une surprise. Hein. J'ai toujours su qu'il était un peu... Ah ben, ils ont deux personnalités. Un bon et un mauvais côté. Et ça peut changer comme ça, tac, d'un coup. Je me méfie des bipolaires. Tout ce qu'ils font, ils le font par stratégie. Je suis pas très à l'aise avec l'idée. Hein. Il paraît qu'ils sont très dépensiers. Enfin, si jamais il a un coup de folie et qu'il dépense tous les sous de la boîte. On est assuré pour ça ? Va pas falloir trop l'énerver, l'animal. Ah bah, la moindre contrariété, il va tout casser. Quoi, tout casser ? Ouais, on assurait pour ça aussi ? Inapte au travail. Inapte. 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 Ah d'accord, la fille qui casse tout. Ouais, je vois. Bah en tout cas, c'est pas moi ça. Moi, j'ai jamais été violente de ma vie, j'ai même jamais insulté quelqu'un. Je m'appelle Manon. J'ai 43 ans et je suis bipolaire depuis l'âge de 28 ans. Je suis diplômée ingénieure agronome. J'ai travaillé d'abord en tant qu'ingénieure d'études dans l'informatique, puis dans les ressources humaines. Et aujourd'hui, je suis écrivain et conférencière et je donne aussi des cours de danse en couple. Je dirais qu'une personne bipolaire, c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie et qui est prêt à déplacer des montagnes pour prouver qu'elle est à la hauteur de la confiance qui lui est accordée. C'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de courage pour maintenir son équilibre en permanence. C'est quelqu'un qui apprend à bien se connaître et à se maîtriser. Et finalement, je trouve vraiment dommage de laisser sur le carreau des personnes avec un tel potentiel qui finalement ne demandent qu'à trouver leur équilibre. Bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Jean-Paul Hervéillé, je viens de la capitale. Je connaissais jusqu'à présent de Privac Clément Faugier. Maintenant, je connaîtrai Clément Faugier et les AT. C'est déjà pas mal parce que, évidemment, je repars tout à l'heure par le train. Alors, voilà, on va parler d'un certain nombre de choses, si vous le voulez bien. Ah, je regarde mon... Moi, j'ai pas de... une montre à l'ancienne. Je suis pas dans le numérique comme vous, malheureusement, je suis complètement handicapé de ce côté-là. On va parler d'un certain nombre de choses. Je voulais vous parler, dans un premier temps, d'un peu d'histoire. Alors, je viens moi-même du monde du soin. Hein, donc, pour me positionner, je viens du monde du soin, donc de l'hôpital psychiatrique, ou ce qu'on appelait comme ça, ou du moins du secteur de psychiatrie générale, dans lequel j'ai travaillé plus de 40 ans. Et je suis aujourd'hui retraité, j'ai gagné ma retraite, comme on dit, on en profite parce qu'on a travaillé avant. Hein. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas facile de rien faire, mais sauf quand on a déjà travaillé avant. Alors là, c'est pas mal. Alors, vous avez évoqué évidemment la grande ambivalence qu'il y avait par rapport au travail et par rapport au handicap. Je rajouterai un peu une couche sur le thème du travail, au moins. L'ambivalence du côté, au moins, du soin. Il y a quelques années, il y avait une famille d'un des patients qui nous disait « Écoutez, il a déjà assez de problèmes comme ça, on ne va pas en plus l'emmerder avec la question du travail. » Donc, c'était
une façon, évidemment, de voir les choses, mais ça montre aussi que, de tout temps, la question du travail a été compliquée, ambivalente, voire parfois complètement tordue, quand on s'occupait des malades qu'on appelait les malades mentaux autrefois, et que maintenant on dit que les personnes qui sont en situation de handicap psychique. Mais cette question du travail est loin d'être simple dès ses origines. Donc, sans reprendre, comme l'avait dit tout à l'heure la collègue, sans reprendre un historique très, très ancien, je voudrais juste cibler un peu deux périodes dans l'histoire. La première, c'est les débuts de la psychiatrie. Donc, en général, on fait remonter ça après 1789, hein, dans les débuts du siècle suivant. Donc, 1802, on dit c'est les débuts de la psychiatrie. Alors, la question du travail, elle est d'emblée posée. Elle est posée, pourquoi ? Parce que les personnes qui viennent dans cet hôpital général, l'hôpital général, c'était à l'époque ce qu'on avait créé pour mettre à l'écart tous les gens qui faisaient tâche, hein. Tous les gens qui faisaient tâche dans la société, qu'ils soient délinquants, les filles mères, ceux qui avaient des boutons, ceux qui étaient prisonniers politiques, et les personnes qui portaient un handicap, tout ça s'était mis dans un lieu de réclusion. Et après, au début du siècle des Lumières, donc, il y a quand même des gens bienveillants qui se penchent sur cet hôpital général, qui disent « mais qu'est-ce que c'est que ce taudis où on a mis pratiquement à Paris, il y avait 1% de la population qui était en hôpital général. Hein. Donc qu'est-ce que c'est que ce taudis dans lequel on entasse ces gens-là ? Donc il faut faire quelque chose. On a donc cherché qui allait pouvoir essayer d'humaniser ces lieux de soins, et on a trouvé les médecins, un peu par hasard. On s'est dit, au moins, ceux-là, ce sont des humanistes. Ce sont des philanthropes, et c'est pour ça qu'ils vont apporter quelque chose. On n'est pas allé les chercher parce qu'ils étaient médecins. On est allé les chercher parce que c'était des philanthropes. Donc les médecins débarquent à l'hôpital général. On leur dit, voilà, on vous confie les clés, débrouillez-vous. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont médecins, ils ont une formation de médecin. Donc ils vont appliquer à toutes ces personnes-là, très variées, ils vont appliquer des critères médicaux. C'est-à-dire ils vont observer, essayer de classer, et puis dans le meilleur des cas, proposer des traitements. Des traitements pour les gens qui faisaient tâche, vous voyez, c'était pas simple. Parce qu'il y avait évidemment des personnes qui étaient délirantes, évidemment, qui étaient ce qu'on appellerait aujourd'hui une personne porteuse d'un handicap psychique, mais il y avait aussi tout un tas d'autres personnes. Alors ils vont dire, voilà, comme traitement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Traitement, eh bien, on va faire le traitement moral. Le traitement moral, il faut entendre ça dans le double sens, à la fois moral qui s'oppose à physique, c'est-à-dire on va pouvoir parler avec ces personnes, on va pouvoir faire quelque chose dans l'échange. Et puis moral, ça veut dire aussi moralisation. On va leur rapporter une moralisation. Il faut qu'ils deviennent des gens bien, qu'ils retrouvent des bonnes mœurs, qu'ils retrouvent la religion, etc. La religion était assez présente, puisqu'il y avait 6 administrateurs principaux à l'hôpital général. Il y avait le chef de la police, il y avait le prévôt des marchands, il y avait l'évêque. Hein ? Donc c'était déjà très présent que on hospitalisait toutes ces tracailles, je vais mettre plein de guillemets, et il va falloir leur retrouver une moralité. Donc les médecins appliquent un traitement qu'ils appellent le traitement moral. Et dans ce traitement moral, une grande place est faite au travail. Et je cite Pinel, alors là j'ai besoin de mes notes, il a fait un article de son traité médico-philosophique, hein, qui était son gros traité, il en a fait un article, un chapitre sur le travail mécanique, loi fondamentale de tout hospice d'aliéné. On est chez les aliénés, hein, on est dans le soin. Et il dit « Le plus sûr est peut-être l'unique garant du maintien de la santé, des bonnes mœurs et de l'ordre est la loi d'un travail mécanique rigoureusement exécuté. » Donc voilà pour le traitement moral. Mais il faut se remettre dans le contexte. Hein. Nous sommes donc dans l'hôpital général. Hein, je vous dis, il n'y a pas que des malades. On va accéder à la question de la maladie beaucoup plus tard, dans les années 1860, puisque les médecins, leur critère, c'est la maladie, ils vont trouver donc un certain nombre de maladies. Dans le but d'humaniser ce lieu, donc, on met les médecins aliénistes. Et puis, ils vont prescrire ce traitement moral, ce travail, et puisque c'est une prescription, le travail, on va dire, le travail est donc thérapeutique.
Oui, il est thérapeutique, non pas parce qu'on a trouvé que dans le travail, il y a quelque chose de thérapeutique, mais parce qu'il est prescrit par des médecins. Et puis, il y a d'autres considérations plus pragmatiques. Hein. Imaginons ces lieux de soins, enfin, qui n'étaient pas des lieux de soins, hein, ces lieux de relégation complètement surpeuplés, hein, avec, il n'y avait pas de neuroleptique hein, à l'époque, donc on peut imaginer un peu l'ambiance qu'il y avait là-dedans. Donc, il faut bien voir que le travail était aussi quelque chose d'abrutissant. Hein, et le règlement modèle des asiles à l'époque prévoyait le travail obligatoire pour les personnes qui étaient à l'hôpital général, et le temps de travail était de 60 heures par semaine, 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Donc vous voyez, le travail, il avait cette fonction-là. C'est pour ça que je vous dis que la question du travail avec les malades mentaux, c'est souvent un peu tordu. Hein. Et puis, autre critère, celui-là, il était économique, c'est-à-dire que le directeur de l'hôpital, à l'époque, pour ses finances, il avait deux financements possibles. Il y avait le revenu du travail des malades, justement. Hein. Ici, il y avait une ferme, hein, je me suis laissé expliquer. La ferme était souvent, justement, une des choses où on faisait travailler les malades et puis qui rapportait de l'argent à l'hôpital. Et l'autre chose, pour mémoire, c'était les pensionnaires de la classe supérieure, puisque c'était comme à la SNCF à l'époque, il y avait trois classes hein, pour les personnes qui étaient à l'hôpital général, première classe, deuxième classe, troisième classe. Les prix n'étaient pas les mêmes et les gens de la première classe, autrement dit les riches, payaient très cher pour avoir des conditions un petit peu meilleures. Donc voilà. Et dès les origines, hein, l'asile avait une double fonction. Elle avait une fonction de traitement pour les malades curables, on dirait peut-être aigus aujourd'hui, et de bien-être pour les malades incurables, on appellerait les personnes chroniques aujourd'hui. Donc la psychiatrie a toujours voulu prendre en compte à la fois les curables et les incurables, leur proposer un peu la même chose, sauf que dans la réalité, vous voyez, il y a les malades curables et on dit que le travail est thérapeutique. Donc logiquement, on pourrait se dire c'est à cela qu'on va appliquer la thérapeutique. Ben non. Le travail, en fait, ne profite, si j'ose dire, qu'aux malades incurables. Donc c'est pour ça que je vous dis hein, que d'emblée, c'est un peu tordu, le système. On dit que le travail est thérapeutique, mais on l'applique qu'aux gens qui sont au-delà de la thérapeutique, hein, qui ne sont pas accessibles à la thérapeutique. Donc voilà. Tout ça pour dire que à l'époque, vous voyez, le travail, il sert surtout à gérer une population. Hein, il sert à l'abrutir, à gérer une population, et thérapeutique, c'est vraiment très, très secondaire. Je voudrais citer une deuxième période de la psychiatrie, il y en aurait d'autres qui seraient importantes, mais une deuxième période qui est la période de l'après-guerre. C'est une période d'humanisation, je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu parler, une période d'humanisation, hein, parce qu'il y a beaucoup de médecins ou d'infirmiers qui ont été en captivité, et puis quand ils sont revenus reprendre le travail à l'asile, eux, ils se sont dit « mais c'est pas possible, c'est exactement ce qu'on a vécu, hein, nous autres, en tant que prisonniers, par exemple ». Et à partir de ce moment, se développe, chez certains, pas chez tout le monde, mais se développe un mouvement d'humanisation de la psychiatrie. Parmi ces personnalités importantes de ce mouvement d'humanisation, je vais en citer deux parce que elles ont des idées tout à fait précises sur le travail. C'est pour ça que je les cite, bien sûr. Mais ce ne sont pas les mêmes idées. Alors d'une part, il y en a un qui s'appelle Toscaliès, François Toscaliès, que dont certains ont peut-être entendu parler. Lui va reprendre l'idée d'un travail thérapeutique. Travail thérapeutique, donc il va essayer de travailler l'idée que le travail aurait une fonction thérapeutique. Mais il développe donc tout un système dans la thérapeutique, mais en disant que ce n'est pas le travail lui-même qui est thérapeutique, encore une ambivalence, puisqu'il a écrit un bouquin qui s'appelle « Le travail thérapeutique à l'hôpital psychiatrique ». Après ça, dans son discours, il dit que ce n'est pas le travail qui est thérapeutique, c'est plutôt la vie collective. C'est l'organisation de la vie sociale et collective au sein de l'asile, dans laquelle il y a le travail, qui va permettre des échanges, qui va permettre des possibilités de transfert, qui va permettre la manipulation d'objets, la manipulation d'argent. Et donc, il va essayer de faire quelque chose qui soit thérapeutique en disant il faut des conditions. Alors, quand je cite, il faut que je regarde mes notes, évidemment.
Le travail a une valeur thérapeutique considérable, aux conditions qu'il soit suffisamment varié pour s'adapter à chaque malade en fonction de sa personnalité, de son évolution, qu'il fasse l'objet d'une rémunération autre que symbolique et que sa rentabilité économique ne soit pas recherchée en priorité. L'organisation du travail n'est qu'un des aspects de l'organisation de la vie sociale à l'hôpital, lequel est l'élément essentiel de la thérapeutique. Donc vous voyez, il essaye d'organiser tout son service comme quelque chose de thérapeutique, avec, en multipliant les occasions de rencontre. Hein, pour Toscaliès, une thérapeutique commence avec une rencontre. Et la rencontre, elle ne se définit pas. Ce n'est pas parce qu'on a dit à un patient « ça c'est ton médecin » ou « ça c'est ton infirmier » que la rencontre va se faire. Donc au contraire, Toscaliès va organiser les possibilités de rencontres multiples en se disant « à un moment donné, il va se passer quelque chose avec une aide-soignante, enfin il n'y avait pas d'aide-soignante à l'époque, mais avec une femme de ménage, avec une cuisinière, avec éventuellement un médecin, mais pas forcément. » Donc, Toscaliès fait tout un système sur le fait que le travail sera thérapeutique. À la même époque, il y a un autre médecin qui prend une déposition différente. Il s'appelle Paul Civadon. Et Paul Civadon va créer en 1947, à Ville-Évrard, donc en région parisienne, le premier centre de traitement et de réadaptation sociale. Donc vous voyez, il associe traitement et réadaptation en disant « le travail, il est surtout là pour restaurer la valeur sociale du malade ». C'est-à-dire, on retrouve ce que disait le collègue tout à l'heure, hein, le travail, c'est là qu'on rencontre des gens qu'on n'a pas forcément choisi, mais qu'on rencontre des gens, et c'est un lieu d'échange. Et il dit, avec Toscaliès, il organisait son asile, mais les échanges du malade, c'était avec l'administration hospitalière. Moi, ce que je veux, c'est que les échanges du malade, ce soit avec l'extérieur. Donc il se place immédiatement du côté de la réadaptation. Hein ? Réadaptation, donc des choses qui nous touchent un petit peu plus, ou qu'on perçoit sans doute un petit peu mieux aujourd'hui, la réadaptation. Alors il fait le pari qu'il y a une analogie entre ce que lui va proposer à l'asile, c'est déjà l'hôpital psychiatrique, ce qu'il va proposer à l'hôpital psychiatrique et la vraie vie de travail, et l'emploi à l'extérieur. Il dit, moi je mets mes patients en situation de travail, réaliste, donc des ateliers aussi. Toscaliès faisait des ateliers, mais sur prescription médicale. C'était des ateliers médicaux. Hein, il appelait ça pour bien préciser que c'était médical. Lui confie ses ateliers à des moniteurs, au contraire, hein, le deuxième, Civadon, en disant, on va proposer aux malades des activités simplifiées, à leur portée, qui ne sont pas les vraies activités. Mais à partir du moment où ils auront repris dans ces ateliers-là les horaires, les habitudes, retrouver les gestes, les habitudes du boulot, ça va pouvoir, ces compétences vont pouvoir se transférer quand ils seront à l'extérieur. Malheureusement, on sait que les capacités formelles et les capacités réelles, c'est pas toujours pareil. Hein. Combien de fois, moi, dans ma carrière, j'ai vu des patients qui, par exemple, dans le cadre d'un appartement associatif, étaient parfaitement autonomes, ils se faisaient à manger, ils s'occupaient de leur linge, etc. Et du jour au lendemain, ils reprennent un logement à eux, et il n'y a plus rien. Hein. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on sait faire et ce qu'on fait réellement en situation naturelle, il y a une grande différence. Mais enfin, voilà, Civadon était dans ce... Avec ce modèle analogique, il était dans cette idée-là. Donc, voilà, je vais en terminer sur l'histoire, si vous voulez, mais retenir que le travail, il a eu plusieurs fonctions dans l'histoire de la psychiatrie. Hein. Un alibi pour maintenir l'ordre, hein, ce que j'ai dit au début de la psychiatrie, c'était vraiment une fonction alibi. Une médiation thérapeutique dans l'idée de Toscaliès. Ou un réapprentissage de la vie sociale dans l'idée de Paul Civadon. Bon, c'est un petit peu à l'âche, hein, mes séparations, évidemment, mais pour dire qu'il y a eu plusieurs idées. Et puis après, la psychiatrie a évolué. Il faut bien voir que si Toscaliès
organiser son asile comme ça, ce qu'il a appelé la psychothérapie institutionnelle, hein, c'est ce que je vous racontais, tout le monde ensemble, avec des occasions de rencontres, de groupes, d'associations, etc., pour créer des lieux de rencontres. Si Toscaliès faisait ça, c'est qu'il y avait une surpopulation et très peu de médecins. Donc, quand il y a 2 médecins et 400 malades dans un service, vous voyez bien qu'on ne peut pas s'occuper individuellement de chaque patient. Hein. Et donc, ce qu'on ne dit plus aujourd'hui, on met souvent, enfin mes collègues, la psychothérapie institutionnelle, c'était le bon temps, c'était idéal, au moins les médecins avaient inventé quelque chose, mais c'était aussi une thérapeutique par défaut. Hein. C'est-à-dire que quand il y avait 400 malades, ce qui était le cas, par exemple, le service dans lequel j'ai travaillé, en 66, j'y étais pas encore, en 66, il y avait 400 patients pour un arrondissement de Paris. Hein, le secteur, c'était un arrondissement de Paris. Quand j'ai quitté le service, non seulement c'était plus un arrondissement, c'était deux arrondissements, mais il y avait 20 lits. Hein, donc, vous voyez que les choses sont différentes. Et on peut faire un autre type de travail à l'hôpital. On peut avoir, maintenant, des prises en charge beaucoup... J'aime pas beaucoup le terme de prise en charge, mais des suivis beaucoup plus individualisés. Et par ailleurs... Le travail a aussi évolué. Quand Toscaliès disait « Pourquoi le travail ?», ben il disait « C'est parce que c'est ce qui est de mieux partagé par tout le monde. Hein ». Tout le monde avait, à l'époque, du travail. Donc, c'est quelque chose qui est universel. Vous voyez qu'aujourd'hui, non seulement c'est moins universel, mais encore s'est développée toute une psychopathologie du travail. Hein, donc, on est moins dans cette idée du travail qui serait l'exemple, le modèle qu'avait Toscaliès. Hein. Toscaliès, pour lui, le travail, c'était le sens, c'était quelque chose de très fort. C'est pour ça qu'il était, je le disais tout à l'heure, un moniteur avec lequel on parlait. Toscaliès ne voulait pas que les ateliers soient animés par des infirmiers. Il disait non, les ateliers, si on veut quelqu'un qui va faire passer le métier, la culture du métier, le sens du métier, du toucher, l'idéal... Du travail, c'est un professionnel. Donc Toscaliès, c'était à l'époque, avait beaucoup insisté là-dessus, hein, en disant c'est pas aux infirmiers de faire ça, ils sauraient pas le faire. Les infirmiers, ils savent faire autre chose. Mais l'amour du métier, transmettre ça, parce que c'était aussi important que le métier lui-même pour Toscaliès, ce sont des vrais professionnels hein, qu'ils font. Et c'est pour ça qu'après cette guéguerre-là, d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a créé le corps des ergothérapeutes qui est. Un petit peu des deux. Hein. Années 70, on a créé des ergothérapeutes parce qu'on était dans ces trucs-là. Qu'est-ce qui vaut mieux, des professionnels ou des infirmiers? Voilà, donc, le travail, ça a changé. Les lieux de soins ont changé. On peut s'occuper des patients différemment. Donc, bouleversement, fin du travail à l'hôpital psychiatrique, hein, vraiment la fin du travail. Les prises en charge sont beaucoup plus individuelles, et quand il y a du travail de groupe, c'est plus vers des activités, soit culturelles, soit créatives, que le travail. Donc, fin du travail. Alors, le travail, il a continué, bien sûr, mais depuis 1975, vous voyez que c'est un autre champ, c'est le champ médico-social, hein, qui s'est créé en 1975, qui a pris en charge tout ce qui était travail. Alors, mon deuxième chapitre, si vous voulez, je vais vous parler de maladie et handicap pour montrer que c'est là, hein, en 75, le grand divorce entre. Je dis divorce parce que des collègues ont écrit quelque chose qui dit maladie, handicap, le divorce à la française. Hein, en disant, c'est vrai que c'était une séparation, ça a été une séparation dont on paye encore les conséquences parfois aujourd'hui. C'est ce que on évoquait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Le secteur psychiatrique, hein, en 1960, quand il a été créé, il avait une ambition énorme, c'est-à-dire qu'il devait s'occuper du malade. Je parle toujours de malade, hein, puisque je suis du soin, hein, du côté du soin. Donc il avait l'ambition de s'occuper du malade depuis la prévention jusqu'à la réinsertion sociale complète. Donc vous voyez, tout puissant, hein, le secteur psychiatrique tout puissant. Ce qui explique qu'en 1975, vous savez ce qui s'est passé en 1975, c'est-à-dire que ce sont des associations de familles qui ont porté ces lois en 1975,
en disant, vous, dans le soin, vous dites que vous allez les soigner, mais on ne voit pas beaucoup de résultats hein, en termes de guérison. Et parallèlement, vous ne vous en occupez pas beaucoup au quotidien, ce qui était une réalité. Donc, nous, familles, au moins s'en occuper au quotidien, on sait faire. Et donc, ces associations familiales ont porté ces lois de 75 qui font la séparation entre les deux champs. Le champ donc du soin, hein, qui va rester le secteur, mais amputé, en quelque sorte, de toute la partie d'occupation au quotidien. Le suivi au quotidien, dans la vie quotidienne, le logement, le travail, tout ça, c'est passé du côté du champ médico-social. Champ médico-social, qui soit dit en passant, est, comme il était tout neuf, a été extrêmement dynamique et a fait des choses en particulier bien plus efficaces, je le dis, j'espère qu'il n'y a pas trop de collègues dans le coin, beaucoup plus efficaces que ce que faisaient, ce que faisaient les soignants. Il y avait des choses monstrueuses hein, à l'époque. Dans les années 80, je crois, la Sécu a diligenté une enquête dans tous les services de psychiatrie et il s'apercevait qu'il y avait pratiquement 40% de personnes qui étaient maintenues à l'hôpital de façon injustifiée. Hein. Donc, vous voyez, et je peux vous dire que c'était vrai. Hein, les patients qui étaient là depuis 20 ans, quand il y avait un nouvel interne, ils recopiaient le certificat qui avait été fait l'année d'avant. Et puis personne ne voyait plus ces patients-là jamais. Ces patients-là donc ont été placés, j'aime pas le terme de placés, ont été orientés, merci, dans le secteur médico-social. Et pour certains, alors pour certains, on a été trop vite, ça a été des catastrophes, c'est vrai. Pour beaucoup, ça a été des vrais miracles, hein, des miracles parce que des équipes neuves se sont intéressées à ce patient comme patient tout neuf. Et ce patient ne payait plus ses 30 ans de chronicisation à l'hôpital. La chronicité, ce n'est pas la chronicisation. Hein. La chronicité, c'est ce qui est lié à la maladie, c'est-à-dire qu'il y a des maladies qui sont chroniques, hein, comme le diabète, comme la schizophrénie, des maladies chroniques. Et puis la chronicisation, c'est ce que rajoute l'institution. L'institution va souvent dans le même sens que la pathologie et on rajoute une couche. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un, moi j'ai vu ça à l'hôpital psychiatrique, hein, quelqu'un qui arrive à l'hôpital psychiatrique sans son consentement, ce qui est encore le cas pour certains. Au début, il se bat, il dit « c'est dégueulasse ce que vous m'avez fait, il faut que je sorte, etc. » Et puis, assez rapidement, hein, au bout d'un mois, on s'aperçoit que ben, les gens ne demandent plus rien et commencent à s'adapter à l'institution. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle la chronicisation. Et à partir du moment où les gens... Ben, c'est vital de s'adapter à l'institution aussi, hein, c'est vital pour sa survie psychique, mais à partir de ce moment-là, ça devient difficile de sortir. Donc toute cette problématique hein, autour des rester longtemps, pas longtemps, et je sais que le secteur médico-social se plaint en général que les malades ne sont pas restés suffisamment longtemps en soins et qu'ils ont ils bénéficient d'usagers qui ont encore des troubles invalidants ou au moins qui invalident tout le travail que peut faire le secteur médico-social. Ça, c'est une constance et c'est une des... Un des points de frittement souvent entre les équipes médicales et sociales. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, ce divorce à la française. Deux champs séparés, les soignants, ils l'ont toujours là. Hein. Alors, évidemment, ceux qui ont connu 75, il y en a de moins en moins. Heureusement, hein, il faut que ça passe. Maintenant, c'est vrai que nos jeunes collègues travaillent beaucoup plus facilement avec les médico-sociales. Mais ça a été très, très, très hard. Hein, à l'époque, j'étais déjà en psychiatrie en 75 et c'était... Alors, les soignants se sont montés au créneau en disant « c'est scandaleux parce que vous allez transformer nos malades en handicapés ». Et handicapés, ça voulait dire pour des soignants, il n'y a plus rien à faire. Hein, dans la représentation du handicap de l'époque, on verra comment ça a changé, hein, les représentations. Mais à l'époque, handicap, bon ben voilà... Il n'y a rien à faire, on tire l'échelle et on va les maintenir dans une chronicité. Ça, c'était les arguments des soignants. Alors que s'ils avaient regardé un petit peu ce qu'ils faisaient eux-mêmes dans leur service, mais bon. En tout cas, c'était une guerre idéologique en 75 entre les différents champs. Alors, ce divorce, c'est ça qu'il faut arriver, je crois, qui est très important à comprendre. Il y a divorce, c'est vrai. Il a été organisé.
en 75. Faut maintenant essayer de réussir notre divorce, hein. Ce qui est une autre paire de manches. Alors, on avait l'idée, justement, qu'il y avait une continuité entre la maladie et le handicap. C'est-à-dire qu'on était dans le secteur sanitaire, donc on était malade. On passait dans le secteur médico-social, donc on est handicapé. Hein, comme si on passait d'un statut à un autre, alors que bien évidemment, enfin aujourd'hui ça nous semble évident, bien évidemment, une personne malade, souvent quand elle a un trouble psychotique, sera malade toute sa vie, avec évidemment des périodes de rétablissement de plus en plus fréquentes et de plus en plus assurées. Hein. Ça, c'est évident. Mais la maladie, elle sera toujours... Moi, j'ai suivi un patient qui était schizophrène. Je l'ai suivi pendant 23 ans ou 24 ans. À la fin, j'en avais un petit peu marre. Et puis je lui disais... Puis on se voyait plus au CMP, on se voyait au café. Et bah oui, parce que je l'avais jamais vu... quand il était à l'hôpital, je l'avais jamais vu dans un bureau. On jouait au billard ensemble, parce qu'à l'époque, il parlait pas du tout. Il était mutique. Donc pendant des années, il a été mutique. On a joué au billard. Et puis, il a commencé à parler. Et puis, quand il est sorti, après des années de travail, hein, quand il est sorti, on s'est dit, bon, ben, on va se voir dehors. Mais l'idée d'un bureau nous semblait complètement à côté de la plaque. Donc, on s'est vu au café. Ah oui. Pourquoi je vous parle de ce patient-là? C'est que, au bout de 23 ans, un jour, je lui dis, mais écoutez, on se voit là, mais... Vous avez une vie sociale, vous travaillez, bon, il a travaillé en ESAT, vous travaillez, vous avez une vie sociale, voir une copine, vous faites les gardes de vos neveux et nièces chez votre frère régulièrement, enfin bon. Il m'a dit, je suis pas comme toi. C'est-à-dire que il n'y avait plus aucun symptôme visible, mais lui-même, au fond de lui, savait et pensait qu'il avait encore des troubles sans doute de l'identité, qui faisait qu'il avait toujours un fil à la patte. Hein. Alors, il était guéri socialement, je vais dire, mais intérieurement, il y avait toujours quelque chose. C'est pour ça que je vous dis quelqu'un qui porteur d'une schizophrénie, je parlerai peut-être tout à l'heure encore de ce patient sur un autre plan, une personne atteinte de schizophrénie peut ne plus avoir de symptômes, sembler vivre bien, etc. N'empêche que je crois que la maladie est toujours là, même s'il n'y a plus du tout de rechute jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Mais il y a toujours un petit quelque chose qui fait que, comme il me disait, je ne suis pas comme toi. Alors, oui, je disais, on n'est pas malade ou handicapé, l'un à la suite de l'autre. Ce n'est pas parce qu'en ESAT qu'on devient du jour au lendemain handicapé. Ce qu'il faut bien voir, c'est que on est toujours malade et on a toujours des conséquences négatives de ces troubles, qui s'appellent le handicap, on y reviendra, et on est toujours handicapé. C'est-à-dire que, en même temps, il faut traiter les deux aspects de la problématique. Je vais prendre un exemple un peu débile, un peu trivial. Je parle de moi. Quand j'étais au travail, c'est maintenant au passé, quand j'étais au travail, bon, ben, j'étais psychothérapeute. Quand je m'étais tordu la cheville ou que j'avais la grippe, j'allais voir mon médecin de famille, j'étais malade. Et puis si j'ai oublié mes lunettes, je suis en situation de handicap. Hein ? C'est-à-dire que vous voyez que chez la même personne, tous ces statuts-là peuvent exister. C'est simplement une question de moment ou une question de priorité. C'est-à-dire que si j'ai pas mes lunettes et que je me présente devant vous, pour mon topo, là, je suis mal. Je suis vraiment mal. Et je ne penserai qu'à ça, hein, à ce handicap de ne pas avoir de lunettes. Voilà. Chaque statut, on a tous, possiblement, ces statuts-là différents, mais au même moment, simplement, à certains moments, c'est plus... La lumière est plus sur un des aspects ou sur un autre. Donc on n'est pas malade parce qu'on est à l'hôpital, puis handicapé parce qu'on est dans une structure médico-sociale. On est toujours un petit peu tout ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais toi, c'est pas pareil. Bon, alors, il y a une différence que je vous accorde, fondamentale, c'est que moi, je n'ai a priori pas tellement de problèmes avec le sentiment de ma continuité d'existence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein ? C'est un peu un gros mot, hein, sentiment de continuité d'existence. C'est-à-dire que quand on n'est pas psychotique, je vais le dire comme ça,
on a ce sentiment que c'est toujours le même, hein, qui évolue, qu'à certains moments il est malade, qu'à certains moments il est en situation de handicap, qu'à certains moments il est, consommateur, à certains moments il est, hein, on a plein de statuts, mais ça ne nous pose pas question le fait d'avoir tous ces statuts. C'est vrai qu'une personne qui va être porteuse d'une psychose, ça peut être très compliqué pour lui, hein, puisque dans la schizophrénie, par exemple, la question de l'identité est une question particulièrement compliquée. Hein. Dire « je » pour une personne psychotique, souvent, il ne sait pas très bien qui c'est « je hein, ». Donc, il aura du mal à dire « je ». Donc, je vous accorde qu'il y a une différence. Mais il faut quand même avoir cette idée qu'on peut avoir plusieurs rôles, plusieurs statuts, selon les époques de notre vie. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai dit ça? Ça veut dire que parallèlement, il est absolument essentiel que l'environnement montre à cette personne, hein, que je définis en difficulté, montre qu'il y a une unité autour d'elle. Parce que si nous sommes complètement séparés, éparpillés autour de lui, à faire chacun notre boulot dans notre coin, vous voyez, ça risque d'aller dans le sens de la pathologie d'éclatement de la personne psychotique. Donc vous voyez, quand on a dit qu'on a plusieurs statuts, parallèlement il faut dire oui, mais le partenariat, le travail en commun est quelque chose de fondamental. Je dirais même, sinon il y a non assistance à personne en danger, hein, presque. Donc le rôle de ce réseau qui va se constituer, dans lequel il y a du sanitaire, il y a du médico-social, il y a du social, son rôle, c'est de faire quelque chose de cohérent autour de la personne, vous voyez, pour que ça la rassemble. Hein, vous savez qu'une personne psychotique, souvent, elle a le sentiment d'éclatement de sa propre personnalité. C'est pour ça que je vous disais, elle ne sait plus qui c'est je, parce qu'il y en a des petits bouts là-bas, des petits bouts là-bas, et c'est terriblement angoissant. Hein. Une personne psychotique, même au niveau du corps, hein, parfois, il peut avoir le sentiment qu'il y a son bras qui est là-bas, ou que son bras s'est détaché, ou qu'il va fondre. Enfin, au niveau de l'identité personnelle, même corporelle, hein, il y a souvent des situations qui sont extrêmement compliquées. Donc ça veut dire que le partenariat obligatoire, et un partenariat, c'est-à-dire simplement avoir quelque chose de cohérent, qui soit en cohérence autour de la personne qui est en difficulté. D'accord, jusqu'à maintenant, ça va? Merci. Bon. Alors, oui, j'irais même jusqu'à dire que l'absence de cohérence, hein, est vraiment un signe de iatrogénie, c'est-à-dire qu'on peut apporter de la pathologie à la pathologie. Hein. Donc, vous voyez, je vais assez loin, hein, dans cette question du partenariat. Alors, le handicap, on va préciser un petit peu ce que c'est, parce qu'on a fait des progrès, hein, sur les définitions du handicap. Définition du handicap, et puis bon, on va encore en faire, on va encore voir ça différemment. Mais il y a un dénommé Philippe Wood qui a fait des travaux pour l'OMS, hein, dans les années 80, et qui a bien schématisé les choses. Il dit il y a trois niveaux d'intervention qui sont parallèles, qui ne sont pas forcément l'un à la suite de l'autre. L'idée qu'on avait. Il y a d'une part le niveau de la déficience, de la maladie, premier niveau, qui en général, hein, la réponse est purement médicale ou purement sanitaire. Hein. Quelqu'un qui est en pleine efflorescence psychotique, qui délire à plein tuyau, la première priorité, c'est évidemment, elle est médicale. Hein. Les personnes bipolaires, par exemple, hein, vous avez vu tout à l'heure, personne bipolaire qui est en train de développer un accès maniaque, hein, il n'y a pas à se poser de questions. La première réponse, elle est purement médicale, elle est purement un traitement médicamenteux qui va immédiatement apaiser son état d'excitation qui peut l'amener à faire des choses qu'elle regretterait par la suite. Donc, hein, le niveau de la déficience, réponse médicale. Il y a un deuxième niveau qui est le niveau de l'incapacité, enfin c'est défini comme ça, ou déficit de compétences, disent certains, mais niveau de l'incapacité, c'est la fonction. C'est-à-dire que, si je reprends un exemple banal, la déficience, vous vous cassez la jambe,
l'hôpital direct, on vous réduit la fracture, etc. Deuxième temps, comme vous êtes cassé la jambe, la fonction elle est atteinte, vous ne pouvez plus marcher. Donc c'est éventuellement rééducation. Oui. Et on va revenir sur cette deuxième période parce qu'on verra que c'est un enjeu en ce moment important. Et puis troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le handicap. En français, on a traduit désavantage parce que le handicap, ça représentait des tas de choses. En France, hein, c'était trop connoté fortement. Donc on a parlé de désavantage social. C'est le troisième niveau, c'est-à-dire le handicap est aujourd'hui uniquement la conséquence sociale, purement sociale, conséquence sociale négative que peuvent avoir les déficiences ou les incapacités. Vous voyez ? Le handicap, c'est ce que nous a apporté les travaux de Philippe Wood. Une des choses qu'il nous a apporté, c'est que le handicap est purement quelque chose de social. Les effets, les plus... Alors on peut prendre des exemples. Oui, ça, vous avez l'air de froncer les sourcils, non, pas du tout. Pardon, excusez-moi alors. Ébahi, aïe, aïe, aïe. Par exemple, voilà, quelqu'un de psychotique va avoir, par exemple, dans ses symptômes, un syndrome de retrait affectif. Hein. C'est-à-dire que personne ne va pas se mettre en situation d'échange, pas naturellement. Hein. Même, éventuellement, vous allez lui tendre la main, il ne va pas savoir quoi en faire. Hein. Donc, vous voyez, ces situations, bon. Alors, cette situation, elle va apporter du handicap. Le handicap, c'est quoi ? C'est qu'il ne va pas aller naturellement vers les gens et qu'évidemment, pour une insertion sociale, ça va être pratiquement impossible. Vous voyez ? Alors, ce qu'on voit maintenant, et ce que Wood nous apprend aussi, c'est qu'on peut prendre les choses à l'envers. C'est-à-dire, si on part du handicap, il va y avoir un effet qui va remonter jusqu'au trouble. C'est-à-dire qu'on peut rééduquer, on peut... Il y a des programmes d'apprentissage, par exemple. Comment... Alors, bon, c'est pas ma partie, parce que je suis pas du côté comportemental, mais je reconnais que le comportementalisme apporte aussi des réponses tout à fait intéressantes. Il va y avoir des programmes pour apprendre à une personne psychotique à rentrer en communication. Ben voilà, premièrement, quand on vous tend la main, ben vous tendez la main, même si vous ne le sentez pas, c'est des apprentissages. Hein. Mais, et puis, vous dites merci, vous dites, voilà, ils apprennent ces choses-là. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que, une fois qu'ils savent utiliser ces outils, ce ne sont que des outils, hein, même si ce n'est pas intériorisé, l'environnement va être beaucoup plus à l'aise. Hein. Il n'y a rien de plus gênant pour quelqu'un, vous lui tendez la main et tend pas la main. Vous savez plus quoi faire, hein. Vous êtes bon, et on se tire. Tandis que quelqu'un qui va savoir, vous allez rentrer beaucoup plus facilement en communication. Hein. Et ça, c'est absolument fondamental. Je reparle de mon patient fétiche là. Il avait appris ces choses-là et il se trouve, alors c'est un truc complètement fou, c'est vrai. Il se trouve qu'après avoir fait tout un parcours, sorti de l'hôpital, en foyer, etc., il se trouve qu'après avoir été en foyer, il m'a dit « Oh, mon frère m'a trouvé un logement, c'est super. J'ai un logement, bah, je m'en félicite, etc. » Et puis le lendemain, c'était samedi, je sors sur mon palier et je vois mon voisin sur le palier. C'était le logement, c'était la porte en face. Ça, c'est... Totalement le truc aléatoire, hein. Il savait pas où j'habitais. Bon, donc il a fallu faire avec. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'il avait appris ces choses-là. Et quand il prenait, il y a un ascenseur chez moi, quand il prenait l'ascenseur avec les voisins, eh ben, il savait dire, ça va les enfants ? Quand il croisait mes enfants, souvent dans l'ascenseur, et alors il faisait alors l'école, ça va ? Enfin bon. Des questions qui lui seraient pas venues naturellement, vous voyez, mais qu'il avait apprises. Et du coup, les voisins me disaient parfois, ils me disaient « Oh, ben, monsieur machin, là, il est bizarre, mais il est très gentil. » Et ça, vous voyez, c'est une... Pour l'insertion sociale, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que c'est plus... Parce que... Bon, j'exagère un peu. Mais si on n'est pas gentil, si on connaît pas ses codes sociaux, c'est très difficile, l'insertion. Donc vous voyez qu'en apprenant des codes sociaux comme ça, on peut aussi remonter, et ça a des effets sur l'environnement qui se sent aussi beaucoup plus à l'aise. Hein. Donc voilà. Oh ben ça va, j'ai encore le temps. Le handicap est donc
quelque chose de réversible. Ah, alors ça, c'est voilà quelque chose qui est nouveau, qui est intéressant. C'est pour ça que maintenant, d'ailleurs, les reconnaissances de handicap sont à durée déterminée. C'est parce que on a dit le handicap, donc, si je vous ai expliqué, c'est toutes les conséquences négatives. Si on arrive à trouver l'usager et ceux qui s'en occupent, si on arrive à trouver des choses qui vont limiter ce handicap complètement, s'il n'y a plus d'effet négatif, il n'est plus handicapé. Alors vous allez me dire, ouais, ouais, on joue avec les paroles. Ça me semble assez important quand même. Et j'ai une copine, enfin pas ma copine, j'ai une copine aussi qui a eu la polio quand elle était enfant. Et donc, elle a toujours évidemment ses séquelles de polio. Et puis récemment, oui, parce qu'elle a à peu près mon âge, hein, récemment, enfin il y a une dizaine d'années, elle a trouvé une prothèse qui, elle dit, avec ça, je peux même courir après mon bus. Bon. Elle n'a plus de handicap, puisqu'elle n'a plus de conséquences négatives de sa déficience. Voyez, elle aura toujours ses séquelles de polio, mais elle n'a plus de handicap. Et c'est elle qui a demandé à ne plus avoir de reconnaissance du handicap. Parce que vous voyez, uniquement, elle n'a plus de conséquences négatives de sa polio. D'accord ? Alors, je crois que le principe est très intéressant quand même, hein, de se dire, et puis pour la représentation, hein, pour dire le handicap, voilà, ce sont les conséquences négatives, conséquences sociales négatives, et si on a trouvé les étayages qu'il faut, les compensations qu'il faut, et c'est vrai aussi pour des personnes psychotiques, à la limite, on peut se dire, il n'y a plus de handicap, hein, même s'il y a encore des séquelles, etc. Alors, depuis 1975, hein, il reste un certain nombre d'enjeux entre nos deux secteurs. Enjeu d'abord de public, hein, ils nous ont pris nos malades. C'est comme ça que c'était vécu, hein, au début. D'enjeu de compétences. Alors ça, c'est un enjeu de compétences. Parce que, comme je vous ai dit, moi j'ai l'impression souvent que le sanitaire, il traîne derrière lui 2 siècles de psychiatrie et qu'il n'en peut plus. Quand vous voyez du médico-social, vous voyez des gens qui sont dynamiques, qui sont plutôt dans quelque chose, une montée en puissance. Donc, la compétence, moi, je trouve que mes collègues sont très déprimés, hein, dans l'ensemble, très déprimés. Alors, c'est vrai que les psys se plaignent toujours, hein, ça, bon, mais ça c'est dans leur ADN, hein, c'est dans leur ADN, ils se plaignent toujours, c'est jamais comme il aurait fallu, toutes les lois sont mauvaises, etc. Ah, pour les psys, hein, bah, moi, j'ai... Bon, je commence à avoir un petit peu de recul, mais j'ai vu la loi de 75, par exemple, qui a apporté des avancées fantastiques, en particulier tout simplement l'AAH, qui nous a permis de faire sortir des malades. On avait plein de malades qui avaient comme revenu 0 copec. On pouvait faire, avant 75, aucun projet. Avec l'AAH, waouh, on a fait des projets, on a fait sortir des malades qui étaient à l'asile parce qu'il n'y avait rien d'autre. Hein. La loi de 75... La loi sur le droit des malades, n'en parlons pas. La loi sur le droit des malades, fabuleux. Enfin bon, si je commence sur mes mauvais collègues, j'ai pas fini. Mais la loi sur le droit des malades, on était le seul pays européen à pas avoir ce type de droit, avec l'accès aux dossiers en particulier. Mais vous pouvez pas savoir ce que les collègues étaient contre. Ils disent, ouais, pour les autres spécialités médicales, ouais, ouais, d'accord, mais pas en psychiatrie. Bah, c'est passé en psychiatrie, il y a eu aucun problème. Mais tous les collègues se sont ligués. Hein. Pour faire la loi sur le droit des malades, hein, le ministère avait convoqué toutes les personnes compétentes. Bon. Aucun psy a voulu y siéger. Tous les syndicats ont refusé. Ce qui est d'autant plus stupide que, je vous dis, on était le seul pays européen à ne pas avoir cette loi. Enfin, c'était le sens de l'histoire. Et alors, bon, après, quand ça est paru, ah ben c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire, ben, bien sûr. Bon. La loi de 2011, plus récemment, enfin, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais moi, ça m'excite beaucoup. La loi de 2011, c'est une loi qui a judiciarisé un petit peu, qui a introduit un juge dans les lieux de privation de liberté, dont peut-être l'hôpital psychiatrique, le centre spécialisé. Jusqu'à présent, quand quelqu'un était hospitalisé d'office, par exemple, ce qui était obligatoire, ce n'était pas le soin, c'était l'hospitalisation. Donc,
La personne était amenée au médecin-chef en disant « Voilà, vous êtes obligé de l'hospitaliser. » Qu'est-ce qu'il allait faire, le médecin-chef ? Vous croyez qu'il allait le traiter ? Ben non, parce que... Enfin, d'habitude, oui. Mais, légalement, le malade pouvait refuser des soins, ses soins. Donc, vous imaginez la situation complètement folle, mais enfin, en psychiatrie, on a l'habitude, de dire que on vous amène quelqu'un en hospitalisation avec une équipe de soins, mais pas forcément pour le traiter. Donc le médecin-chef était uniquement garant de sa privation de liberté. La loi de 2011 a mis un peu de logique là-dedans en disant « Non, mais ce qui est obligatoire, c'est plus l'hospitalisation, c'est le soin. » Moi, j'ai trouvé que c'était une avancée fabuleuse. C'est-à-dire que le psychiatre, il saura ce qu'il fait maintenant. Eh ben non, tous les collègues et tous les syndicats de médecins psychiatres ont été contre. Bon, enfin, voilà, là, je ne vais pas m'égarer. Je vais vous parler, si vous voulez... voilà, oui, pour terminer là-dessus, loi de 75, maintenant, il reste encore des relents. Le sanitaire reste un petit peu négatif du côté du médico-social. Et puis en plus, ils nous ont pris nos sous. Parce que le fric, maintenant, il va au médico-social, il va plus au sanitaire. Bon, donc il y a encore quelque chose qui est important. Mais la question, c'est de réussir notre divorce. C'est ce que je vous dis, comme on dit pour le bien des enfants, il faut réussir son divorce. Donc là, champ médico-social, champ sanitaire, je crois qu'on a l'injonction de réussir notre divorce. On n'a pas choisi forcément de se séparer. On n'a pas choisi, maintenant, voilà, c'est fait. Il faut réunir notre divorce, c'est-à-dire qu'il faut assurer ce partenariat dans la continuité, qu'on soit du médico-social ou du sanitaire. Parce qu'il y a aussi dans le sanitaire une continuité. Quelqu'un qui est porteur d'une psychose, comme je vous disais, aura toujours besoin pratiquement d'un médecin, même si à la fin, il voit son médecin une fois par an. Il peut le voir. Et puis bon, il y a tout le... Oh, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai pris ma retraite, non, c'est pour vous montrer l'importance du soin, même s'il n'y a pas forcément... ça semble pas évident. Parce qu'il y a la relation thérapeutique qui est au fond de ça. Quand j'ai pris ma retraite, au bout d'un mois ou deux mois, j'ai reçu une lettre chez moi avec plein d'écrits délirants. J'ai reçu chez moi. Et une lettre d'accompagnement qui disait « Mais j'ai appris que vous étiez à la retraite, qu'est-ce que je vais devenir ?» Je regarde la signature. Vous voyez absolument pas qui c'était. Alors je suis retourné au CMP pour consulter mon dossier, parce que j'écrivais dans mon dossier. Je regarde mon dossier et en effet, je me rappelle cette patiente. Eh bien, c'est une patiente que j'avais vue 3 fois en 15 ans. Donc elle venait tous les 5 ans. Je n'avais pas repéré que ça faisait 5 ans. Mais vous voyez, pour elle, c'était quelque chose qui était sans doute assez fondamental. Moi-même, je ne l'avais pas perçu, puisque chaque fois qu'elle revenait, je lui proposais de revenir la semaine d'après, parce qu'en général, elle n'allait pas bien. Mais elle ne revenait jamais. Par contre, 5 ans après, elle reprenait contact. Bon, 3 fois en 15 ans. C'est le recul qui m'a permis de voir ça. Et là, ça faisait 15 ans, donc ça devait faire 20 ans que je ne l'avais pas vue. Donc c'est pour vous dire, vous voyez, elle voyait aucun psy, mais elle pensait que c'était quelque chose qui, évidemment symboliquement, pas dans la réalité, mais symboliquement était quelque chose qui était porteur pour elle. C'est pour ça que je vous dis, même des soins, c'est quelque chose de continu, même si, l'état de plage libre, je vous disais tous les ans, mais là, vous voyez, c'était tous les 5 ans. Bon, enfin, c'est un exemple. Voilà, réussir son divorce. On pense à ça, parce que je vous ai dit, les enjeux, c'est vraiment des enjeux importants, le partenariat. Je voulais vous parler... Oh ben oui, on a encore 20 minutes. Je voulais vous parler de la valeur travail, mais peut-être... Pardon ? Oh ben, moi, j'ai 20 minutes, non ? Alors, vous êtes à combien ? Elle ne s'est pas arrêtée. Vous avez à peu près le tiers Je sais pas là. Quoi. Alors non, mais c'est un problème parce que j'avais vu 5. Bon, bah, j'ai mal vu, je devais pas avoir mes lunettes à ce moment-là. Alors donc voilà, on passe. Mais surtout que le collègue a beaucoup parlé de la valeur travail. Ce que je voulais dire, c'est que alors on sait qu'il y a parmi les personnes schizophrènes suivies en psychiatrie, 81% n'ont pas d'emploi. Je suis pas aussi
pas aussi sûr de moi que mon collègue sur la valeur travail. Je crois que pour certains patients, alors c'est absolument fondamental, excusez-moi, je dis toujours patient, mais pour certains usagers, c'est absolument fondamental. Je cite là une patiente, ce qui m'a le plus réparé le long de ce parcours, c'est le travail, le fait d'avoir des horaires, des collègues, le fait d'avoir une paye à la fin du mois, c'est vraiment très valorisant pour moi et je pense que ça contribue à me réparer, car je me sentais alors dans la normalité. J'avais au moins, pour une part, une vie normale. C'est vrai pour certains, je pense que c'est pas vrai pour d'autres. Mais, oui, parce que un autre souvenir personnel, je me souviens d'un patient quand j'étais à l'hôpital. Un patient, ça faisait des années qu'on ramait, il avait un chef d'équipe qui était formidable, soutenant, qui le couvrait surtout, un médecin traitant qui l'encourageait, qui lui faisait ses arrêts maladiques, etc. Et ce gars-là, ben, il alternait sans arrêt. Bon. Et puis, un jour, il était hospitalisé, j'étais là. Et puis, on l'appelle au téléphone, il va au téléphone, et il revient, il exultait, il disait « je suis viré !» Et ce type-là, il m'a écrit après, il n'a plus jamais été hospitalisé. C'est-à-dire que, je veux dire, voilà, il y a pour certains, la plupart sans doute, c'est vrai que c'est une représentation très positive, c'est pas forcément évident. Et ce type-là, je pense qu'on ne l'a pas aidé, vous voyez, en soutenant son insertion au boulot, où il souffrait. Il souffrait beaucoup. Voilà, on l'a pas aidé. Donc, le travail, pour moi, c'est pas forcément là. Mais ce qui manque, puisque j'ai plus beaucoup de temps, ce qui manque, il me semble, toujours, c'est le travail sur le travail. Autrement dit, cette période où on va travailler avec la personne, son idée du travail. Parce que ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans les structures médico-sociales qui ont été placés là, je ne vais pas dire par hasard, mais chacun avec sa logique. La MDPH, elle va faire son orientation là où il y a de la place. Et puis, ce n'est pas forcément le désir du patient, pas toujours. Le médecin, il va faire une demande des actes parce que lui, ce qu'il veut, c'est une solution d'aval, une solution pour que le malade aille ailleurs, pour pas qu'il encombre sa durée moyenne de séjour. Il veut une solution d'aval, bon, les actes, bon, va pour les actes, par exemple. Enfin, j'exagère, évidemment, on n'est pas tous aussi primaires. La famille, parfois, elle a encore une autre conception, et souvent, on a cette personne qui débarque dans un ESAT, où on les attend, on lui dit, mais ici, mon coco, maintenant, depuis 2005, surtout, c'est le travail, il faut que ce soit des activités en lien avec le travail, que vous développiez vos compétences professionnelles, etc. Et il y a beaucoup, il me semble, de personnes qui vont errer d'institution en institution en étant insatisfaits chroniques. Parce que, il me semble qu'il a manqué cette période, on n'a pas pris la période de travailler sur l'idée de travail. Vous voyez ? Et en effet, c'est pas évident pour tout le monde. Et moi, je crois que ce qui serait intéressant, c'est que ce travail sur l'idée de travail puisse se faire dans ce moment d'entre-deux, vous voyez. Alors, la grosse question, c'est qui doit le faire? Est-ce que c'est les soignants? On appelait ça les soins de réadaptation autrefois, mais il semble que ce soit un peu fini. Ou est-ce que c'est le médico-social Par exemple, à travers des stages, je crois que vous avez des pré-stages, j'ai entendu tout à l'heure, qui seraient, me semble-t-il, tout à fait une période. Mais alors bon, les soignants diront, c'est pas à vous de faire ce travail-là, c'est à nous. Mais dans l'idée de travail, il y a évidemment les deux dimensions. La dimension personnelle, qu'est-ce que ça implique dans mon équilibre personnel? Est-ce que j'ai bien mesuré les bénéfices, risques, inconvénients, avantages? Voilà. Et selon chaque individu, ça va être, chaque personne, ça va être différent. Il y a des gens qui vont avoir une haute idée, par exemple, souvent les malades, les patients, c'est le rôle social, le statut social. C'est ça qui est mis en avant beaucoup plus souvent que ce qu'on va faire. Le statut social, parce que quand on a un statut social, on n'est plus malade. Quand on travaille, on n'est plus malade. C'est un petit peu ça qui se fait. Mais si on n'a pas de travail et si en plus on prend des médicaments, alors là, on est stigmatisé comme étant malade une fois pour tous. Donc moi, je crois qu'on a un manque actuellement sur ce travail sur le travail. Et avec la grosse question de savoir qui est-ce qui s'en occupe.
Alors, idéalement, il me semble que ce serait avec, en partenariat, si on avait le temps, entre l'équipe médicale, parce que l'équipe médicale, donc, elle va uniquement voir les motivations personnelles, inconscientes, tout ce que vous voudrez. Et puis, pragmatiquement, par exemple, une mise en situation en ESAT, ça va être en situation de travail, parce que la situation de travail, elle doit être parallèle à ce travail sur le travail. Hein. La situation de travail, c'est se rendre compte. Donc voilà. Parce qu'en France, on a toujours la logique de l'un après l'autre. Hein. D'abord le sanitaire, ensuite le médico-social. Et d'abord, on se forme avant de trouver un emploi, par exemple. Ça, c'est un truc qu'on a en France. Il faut d'abord se former, demander aux gens de la NPE qui ont refait leur CV 18 fois, parce qu'on dit, mais non, il faut qu'ils soient encore meilleurs pour avant que tu... etc. Alors qu'on sait que la meilleure efficacité, c'est ce que les Américains nous montrent depuis les années 80, ça s'appelle IPS, Individual Placement and Support. Ça veut dire quelqu'un qui veut travailler, qui a fait ce travail, qui veut travailler, on le met en situation. On le met en situation de travail. Et là, avec évidemment quelqu'un qui va le suivre dans le milieu de travail, on va s'apercevoir quels sont les manques de formation. Où est-ce que ça pêche ? On va s'apercevoir la plupart du temps que les difficultés sont absolument pas là où on les attendait. Hein ? Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, la situation de travail réaliste. Alors, donc, d'après votre montre à vous... il est temps de conclure. Ben voilà, écoutez, donc je passe toutes mes... Hein, oh là là, oui. Oh là là. Ah oui, ben si je peux conclure sur quelque chose d'un peu dynamique, c'est la dernière loi santé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avant la fin du dernier quinquennat, on s'est dépêché de faire une loi santé. Marisol Touraine s'est dépêchée de faire une loi santé, donc il a fallu qu'elle sorte avant la fin. Et donc, y a, évidemment, on sent que c'est parfois un petit peu bâclé, mais il y a des choses qui me semblent intéressantes. Je ne sais pas si vous avez lu. En particulier, il est question sur le territoire de faire un projet territorial de santé. Et ce projet territorial de santé doit être basé sur un diagnostic territorial de santé. Ça, vous avez lu déjà un petit peu ces trucs-là ? Oui ? Donc, il est demandé aux acteurs locaux de se réunir, hein, même de leur propre fait. Hein. Si vous ne le faites pas, l'ARS le fera pour vous. Enfin, on vous désignera pour le faire. Et de faire un diagnostic territorial de santé, c'est-à-dire quels sont les manques, quels sont les points positifs, quels sont les... Voilà, et je peux même citer ce qu'ils disent. Ce diagnostic territorial partagé a pour mission de dresser l'état des lieux des ressources disponibles, d'identifier les insuffisances et de préconiser les actions pour y remédier. Donc, l'objectif, nous dit le guide méthodologique, hein, est de vérifier en particulier de quelle manière chaque structure travaille avec les autres acteurs du territoire. Hein. Donc on est... Disons que si on veut développer le partenariat, on a cet appui-là. Alors bon, j'espère que ce ne sera pas une machine, une usine à gaz. Je ne sais pas s'il y a eu déjà des réunions qui ont commencé, ça a commencé, mais ça vaut peut-être la peine, si vous voulez, de se brancher là-dessus pour essayer d'améliorer le partenariat, de voir quels sont les manques et quels sont les et ce qu'on fait de bien, parce qu'il y a toujours des choses qu'on fait de bien. Et voilà, oui, j'avais dit que je parlerais des troubles mentaux, et bien tant pis. Voilà, écoutez, voilà, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il va y avoir quelques questions, si vous voulez bien. Et puis, voilà. Merci, Monsieur Hervillier. Simplement, je pense que je retiendrai, notamment avec l'ensemble de mon équipe, à mon avis... la raison pour laquelle on vous a tous invités aujourd'hui, c'est le travail en cohérence, effectivement. C'est important. Nous ne sommes pas seuls. Il y a le champ médico-social et le champ social. Et nous ne demandons que ça. Voilà, je vais simplement vous laisser l'occasion de poser vos questions à M. Hibon et à M. Hervillier. Voilà, avant que nous nous réunissions à l'extérieur pour manger. Oui, alors, je suis un petit peu gênée, je ne sais pas comment vous dire ça, mais
Si vous voulez, c'est peut-être aussi ma fonction de formatrice qui, je dirais, qui est un petit peu heurtée concernant le concept de handicap. Tout ce que vous avez très très bien illustré à travers vos exemples, mais pour moi, si vous voulez, on n'est plus à 1980. C'est plus le modèle de représentation du handicap. C'est celui de 2001, de la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé. Et à travers ce modèle de représentation, c'est beaucoup plus, tout ce que vous avez pu dire est beaucoup plus illustré et beaucoup plus fort. Parce que pour qu'il y ait, dans le fameux schéma, pour qu'il y ait handicap, il faut donc une maladie ou un trouble, et qui va donc toucher une fonction organique, une structure anatomique, fonction organique étant le cerveau par exemple, et qui va limiter l'activité de la personne et aussi restreindre sa participation à la vie en société. Et ça c'est quand même très très fort, parce que c'est tout ce qui est mis en place actuellement. Une fois qu'il y a reconnaissance de situation de handicap par la limitation d'activité et la restriction de participation, il y a tous les facteurs contextuels qui vont permettre à la personne, par les prestations et les actions de compensation, finalement, de pouvoir, tout en restant malade, comme vous avez expliqué, mais pouvoir avoir une vie sociale, une vie aussi affective, etc. Oui, alors vous avez raison sur les classifications. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. Je suis resté simplement à l'idée introduite en 80 qu'il y avait trois stades et que le handicap n'était que la conséquence sociale négative des troubles. Mais c'est sûr qu'on est allé plus loin par l'Europe, qui nous a obligés à avoir une politique non pas de discrimination positive qu'on avait, mais de non-discrimination, ce qui change beaucoup les choses. Hein, parce que jusqu'à présent, vous savez, on avait la position de discrimination positive, c'est-à-dire qu'on décrivait, on définissait un groupe de personnes, les personnes handicapées, et on faisait à leur adresse un certain nombre, on proposait un certain nombre de mesures spécifiques. Aujourd'hui, logiquement, bien que là on n'a pas encore bougé, mais logiquement on doit avoir un problème de non-discrimination, d'où la deuxième classification qui est venue plus tard, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de handicap, on dit c'est pour tout le monde. Non-discrimination, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, au lieu d'avoir une caisse plus large dans les supermarchés qui est à l'autre bout là-bas, pour être non-discriminant, toutes les caisses doivent avoir la même largeur, c'est-à-dire laisser passer un fauteuil roulant, par exemple. Alors, ce qu'il faut voir, parce que je vais même un petit peu plus loin que ce que vous dites, ce qui est intéressant de voir, c'est que on est dans l'idée que le handicap, au départ, le handicap, hein, c'était, avant 75, c'était tu as un handicap, tu es une personne handicapée, tu as donc un handicap, et c'est à toi de faire en sorte de dépasser ton handicap pour être encore meilleur. C'était un petit peu la philosophie, c'est-à-dire que la réponse était chez la personne elle-même. 75, on a dit autre chose, on a dit il y a le rôle de la personne et il y a aussi le rôle de l'environnement qui est important. Et là, on est depuis 2005 hein, dans un troisième mouvement où pratiquement toutes les causes du handicap sont du côté de l'environnement. C'est-à-dire que si l'environnement est suffisamment bon, soutenant, étayant, tout ce qu'on veut, peut remplacer et apporter les aides nécessaires, à la limite, il n'y a plus de handicap. Vous voyez, les réponses. D'ailleurs, la loi de 2005, hein, il y a, je crois, une quinzaine d'actions, et bien il y en a 13 qui sont dirigées vers l'environnement, pour améliorer l'environnement. Hein. Si l'environnement est suffisamment bon, suffisamment étayant, alors c'est un petit peu dévu, vous allez me dire, hein, c'est vrai, mais ça permet de réfléchir quand même. Si l'environnement est suffisamment bon, il n'y a plus de handicap. Ou bien c'est l'exemple de la prothèse que je vous signalé tout à l'heure, c'est du côté du handicap, hein. C'est du côté de l'environnement. Pour améliorer les fauteuils roulants, ce qui va améliorer, c'est pas la personne qui va améliorer sa façon de se déplacer. Par contre, si on baisse tous les trottoirs, voyez, ça limite le handicap.
C'est pour ça, et puis c'est parce que le handicap est réversible, qu'on ne parle plus de personnes handicapées, on parle de situation de handicap. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple débile de mes lunettes, c'est-à-dire que si j'ai pas mes lunettes, c'est vrai que dans certaines situations, je suis en situation de handicap, si je les ai, ça y est, il n'y a plus de handicap. Alors, c'est évidemment pas comparable, mais c'est pour vous donner un exemple. Mais vous avez raison que les choses ont changé. Oui, mais ça peut être très dangereux, cette situation. Et moi, je m'oppose à cette représentation qui est uniquement l'environnement, parce que en prenant par exemple mon infirmité motrice cérébrale, on a dit, mais dit, ah ben, ils ont participé aux conférences, ils travaillent, c'est super, il n'est plus handicapé. Alors, hein, il n'est plus handicapé. Ok. Ben, venez avec moi dans toutes les situations où je dois rencontrer quelqu'un, et puis vous verrez s'il y a. C'est vrai que l'intersion des deux fois peut être excellente de par la personne handicapée, mais j'avais envie de dire, laissez-moi mon handicap, je ne veux pas recueillir ce celui-ci qui permet d'évoluer. Et de toute façon, on ne peut pas le retirer. Il est là. Mais. Oui, mais ça ne s'appelle plus le handicap au sens d'aujourd'hui, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez des séquelles d'une infirmité. Oui. Hein, et tant qu'on n'a pas trouvé tous les systèmes qui vous permettront de dire je n'ai plus aucune différence dans ma vie social avec les autres, vous avez droit à la reconnaissance de handicap. Oui, mais à mon avis, ça sera impossible de trouver, même avec toutes les meilleures technologies qui soient, et en tant que personne du numérique, il y a une tentation que je trouve très dangereuse, qui est le transhumanisme. Alors, on peut trouver des adaptations géniales, créer des prothèses hyper performantes, mais il y a toujours cette volonté à l'homme ou la femme parfaite. La fuite en avant pour trouver quel moyen pourra compenser à tout prix le handicap. Pour moi, il n'existe pas. On peut faciliter, mais il faut que le handicap, la déficience, la fragilité demeure. Arranger que cette fragilité nous aide à devenir de plus en plus humains. Et nous revenons là à l'étymologie du mot handicap. Nous ne l'avons pas dit, mais ça vient de la courte hippie à la fin du 19e siècle en Angleterre. C'était la main dans le chapeau. On tirait au sort le nom des chevaux à qui on allait mettre un poids supplémentaire. Ben moi, ça me rassure énormément de savoir qu'on mettait un handicap au meilleur.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pas une question, c'est juste pour prolonger là ce qu'on est en train de dire sur la question du travail, du handicap et du droit à la différence peut-être aujourd'hui dans le monde du travail. Je ne sais pas si c'est le cas pour les travailleurs handicapés, mais pour les travailleurs dits non handicapés, un des moyens de nous évaluer est notre conformité au travail. Et je trouve que voilà, ça pose cette question derrière. La conformité, le handicap, la différence. Oui, donc vous voyez que la limitation du handicap, c'est l'environnement de travail. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est psychotique, qui est, par exemple schizophrène, qui va travailler. En général, comment ça va se passer? C'est que pendant les deux premiers mois, il va être à 150%. Il va en faire beaucoup plus, justement, parce qu'il va vouloir surcompenser son handicap, etc. Et puis après, il va craquer parce qu'il a trop donné. Et puis parce que l'idée d'un travail qui n'a pas de fin est pour une personne qui n'a pas de limite elle-même extrêmement compliquée. Hein. Une personne qui est schizophrène, par exemple, vous lui dites on a un CDI. CDI, c'est l'angoisse totale, quelque chose qui n'a pas de fin. Alors vous voyez que l'environnement, qu'est-ce qu'il peut proposer là? Eh bien, il peut proposer du travail à temps partiel, par exemple. Il peut proposer un mi-temps. C'est le rôle de l'environnement. Et vous voyez que sur un mi-temps, par exemple, une personne schizophrène va être beaucoup moins handicapée parce qu'elle va pouvoir assurer le boulot. Voyez. Et si c'est une mission avec des limites de temps, c'est encore quelque chose qui est proposé par l'environnement et qui va limiter les conséquences sociales négatives du fait que cette personne, de par sa structure même, elle a du mal à imaginer. Voyez. Donc c'est des exemples qui montrent que c'est l'environnement qui peut colmater, qui peut pas remplacer, bien sûr, mais qui peut trouver les étayages qui vont limiter les difficultés. Mais je crois que on est tous quand même favorables ici à que la société trouve des moyens pour que chacun puisse justement vivre à l'aise. Hein. Vivre à l'aise avec ce qu'il est et avec ses capacités, comme disait la collègue tout à l'heure. On travaille beaucoup maintenant sur les capacités. Qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous pouvez pas faire, mais on va travailler sur ce que vous pouvez faire. Hein, aujourd'hui, je vous ai pas parlé, mais il y a quelque chose dont on parle beaucoup, les soignants, c'est ce qu'on appelle le rétablissement, processus de rétablissement. Le rétablissement, c'est pas la guérison. Le rétablissement, c'est arriver à trouver une voie qui vous convienne avec les aides qu'on a pu trouver en général soi-même. Souvent, c'est là que je rejoins l'innovation frugale, c'est dans le processus de rétablissement, c'est l'usager lui-même qui souvent va trouver les étayages qui sont efficaces pour lui. Le médecin qui va lui dire « ben, allez faire du travail associatif » ou « allez faire du yoga » ou « allez etc. », ça marche ou ça marche pas. Par contre, quand c'est le patient qui trouve et qui dit « moi, le yoga, alors ça me fait ni chaud ni froid ». Par contre, la méditation, il dit n'importe quoi, hein. La méditation, alors là, ça me ressource, ça me recentre sur moi-même, etc. Voilà, c'est ça le travail d'accompagnement, du rétablissement, c'est d'aider la personne à trouver elle-même les étayages qu'elle sait bons pour elle. Hein. Les prises en charge, moi j'ai travaillé beaucoup avec des psychomotriciens, la prise en charge psychocorporelle, par exemple, par un abord corporel, il y a des gens, ça marche, il y a des gens, alors... Pas du tout. Et c'est pas la peine de faire ça. Moi, je disais, vous essayez 2 séances ou 3 séances. Puis si vous le sentez pas, vous arrêtez. Parce que, voilà, c'est pas votre truc. Mais souvent, les patients disent, moi, j'essaye tout. Et puis je vois ce qui me... Les patients qui sont dans ce processus de rétablissement, déjà. Hein, ils disent, j'ai fait un petit peu le bilan de mes capacités. De par contre, les choses que je peux pas faire... Et pour les aides, eh ben je fais aussi le bilan de ce qui m'aide et puis les trucs qui ne m'aident pas. Donc, ce n'est pas la peine. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question.
Je vous invite à poursuivre les échanges autour du buffet qui se trouve à l'extérieur. Voilà, merci.